إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله وبعون الله عز وجل explication du livre أعلم سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On s'arrêtait à la question numéro 173. Et le shir, à travers cette question, il va nous parler d'un sujet qui est as-siha, ce qu'on appelle donc en langue arabe as-siha, et que l'on traduit par la sorcellerie. Et on a vu auparavant que shir Hafir, rahimahullah, il nous a parlé longtemps du kufr. Il nous a parlé également, en ce qui est rentré du kufr, le shirk. Et ici donc al-munasaba, c'est-à-dire ce qui convient de rappeler par rapport à la relation qu'il y a avec les questions précédentes, c'est que le sihr, il fait partie du shirk, ash-shirku billah. Et c'est pour ça que également l'un des grands savants de l'islam, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullah alayh, nous a rappelé dans son livre Kitab al-Tawhid également, il nous a parlé donc du sihr, et il a placé un chapitre dans son livre qui parle donc de ce sujet. Pourquoi? Comme nous ont rappelé les savants qui ont expliqué ce livre, pourquoi? Parce que tout simplement le sihr, il fait partie du shirk, et donc il va à l'encontre de quoi? Du tawhid. Il va à l'encontre donc de l'unicité d'Allah Azzawajal. Et donc bien entendu il était important de mettre en évidence son danger, et que cela donc allait à l'encontre du tawhid. Donc c'est dans ce sens également nous citer cette question après avoir fini et après nous avoir parlé donc de tout ce qui était en relation avec al-kufr. Et va nous dire dans cette question ma hukm al-sihr wa al-sahir. Donc il va nous parler de l'acte en lui-même qui est le sihr. Il va nous parler également, il va nous poser une question sur celui qui pratique cet acte-là et qui est sahir, à la wazn fa'il, sahir, donc lui qui fait l'action, et qui est donc le sorcier tout simplement. Il va nous demander, lorsqu'il dit ma hukm, il va nous demander leur statut. Quel est leur statut par rapport bien entendu à la religion? Comment la religion a jugé ces gens-là et cet acte-là? Qu'est-ce que le sihr fil-lora? Qu'est-ce que le sihr fil-lora? Ce terme sihr, au niveau de la langue arabe, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pour ça que les savants, ils nous disent kulluma latufa wa khafiya sababu. Kulluma latufa wa khafiya sababu. C'est tout simplement une cause qui va donc avoir un effet. Cette cause, elle va avoir un effet. Et cette cause-là, elle va être en réalité dissimulée. La cause donc de cet effet va être dissimulée. Et va être discrète et en même temps très précise, et qu'on ne peut donc apercevoir, khafir, on ne peut donc l'apercevoir, elle est dissimulée, et elle est, comme on l'a dit, discrète, légère et très précise, une grande précision. C'est ça en réalité le sihr au niveau de la langue arabe, donc c'est de façon générale. Et c'est pour ça qu'on va voir à partir de là, dans la langue arabe, on nomme as-sahar, qui est akhirul layl, qui est en réalité la fin de la nuit, ce qu'on appelle as-sahar. Pourquoi on l'appelle ainsi? Tout simplement parce qu'on ne peut distinguer au moment où il arrive. C'est-à-dire qu'on est en pleine nuit, dans les ténèbres, et la fin de la nuit va arriver. On ne peut la distinguer. Donc on voit que sa cause ne peut être distinguée. C'est pour ça qu'il va prendre donc ce nom, sahar, qui vient donc du terme sihr. Également, on va voir qu'au niveau de la langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va utiliser ce terme-là. Donc d'un point de vue linguistique, parce qu'on sait
que beaucoup de termes qui ont été utilisés dans la religion, ils sont, dans un premier temps, ils ont une acceptation linguistique, c'est-à-dire, ils ont un terme que l'on va comprendre au niveau de la langue arabe, et en plus, ensuite, ils ont une définition que l'on va donner au niveau du char, une acceptation au niveau de la législation, au niveau de la religion. Et c'est le cas également du sihr. Pour ce qui est donc du sihr au niveau de la langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé de façon générale, c'est-à-dire son acceptation linguistique. Il va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, « Kama fi hadith ibn Omar »« Hadith ibn Omar »« Muttafaqun alayh » rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Il dit « Inna min al-bayani la sihra »« Inna min al-bayani la sihra » Il va nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce que l'on appelle donc al-bayan. Qu'est-ce qu'al-bayan? Al-bayan, c'est al-kalam ou al-balir. Al-kalam, al-balir. C'est en réalité l'éloquence. C'est la parole éloquente ou le discours éloquent. C'est en fait l'art de savoir s'exprimer et de toucher les cœurs par les mots et les sens employés. C'est dans ce sens ici, al-bayan. Donc il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan, donc de ce discours éloquent, la sihara, ce qui va être considéré comme du sihr, bien entendu, au niveau de la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici on va s'apercevoir que cette éloquence, lorsqu'elle est employée fil khair, ou fil nash al-haq, c'est lorsqu'elle est employée pour faire valoir la vérité, pour propager la vérité, par les du'at, par les savants, etc., ceux dont Allah Azzawajal leur a donné donc cette éloquence, ça va être un khair, tayyib. Donc on voit bien ici que le sihr, c'est au niveau donc de la langue arabe, de façon générale. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé donc sihr, si on regarde donc maintenant la définition qu'on avait donnée, c'est que tout simplement cette parole, ou ce discours éloquent, il va avoir un effet sur les gens. Inam. Il va avoir une influence directe sur les âmes. C'est-à-dire que les gens, ils vont écouter avec concentration ce qui va être dit et ça va les toucher réellement. Donc il va avoir un effet qui se produit. Et la cause de cet effet, bien entendu, khafi. C'est-à-dire qu'on ne peut l'avoir. C'est quelque chose qui est dissimulé. Taïb, tout va se jouer en réalité dans, comme on l'a dit, dans la façon et l'art de savoir donc utiliser les mots qui correspondent et les mots qui vont toucher en réalité les cœurs. Donc c'est pour ça que le prophète sallam, dans ce sens-là, il a dit inna min al-bayani la sihra. Par contre, bien entendu, si al-bayan, si al-kalam al-balir, il va être utilisé au contraire fil batil, et comme on peut voir malheureusement chez beaucoup de du'at, parmi les mubtadi'a, parmi les innovateurs, parmi les kuffar, qui vont utiliser en réalité ce bayan, cette éloquence, pour eux inverser ou changer la vérité et prêcher donc le faux. Ayadan billah. Et donc ici également il va avoir un effet, mais cet effet là il va être dans quoi? Fil shar, il va être bien entendu dans le mal. Donc al bayan, il peut être dans le bien, il peut être dans le mal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit inna min al bayan ila sihra, il a dit de façon générale, c'est-à-dire qu'il n'a pas blâmé le al-bayan. Pourquoi? De façon générale. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, le bayan il peut être utilisé fil haq, c'est-à-dire donc pour ce qui est de mettre en évidence la vérité, d'exprimer la vérité avec les meilleurs mots et avec éloquence. Également, on va s'apercevoir que an-namima, elle a été nommée également comme faisant partie du sihr, an-namima. Donc le fait de calomnier et le fait d'informer les gens de ce qu'on dit d'autres gens, l'inyat al-ifsad, afin donc de créer un schisme, afin de créer la haine, afin de créer donc le désordre, etc. Ayyadan billah. Ça c'est un namima. Et c'est pour ça que dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala an, kama fil adab al-mufad, l'imam al-Bukhari, et كذلك الطحاوي والبيهقي, donc il le rapporte et qui est un hadith qui est hassan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما العدو قال
قالوا الله ورسوله أعلم قال نقل الحديث من بعض الناس إلى البعض ليفسد بينهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il va dire أتدرون ما العدل. العدل donc ici il a plusieurs, ou on va dire il a deux prononciations. Le premier c'est العدل donc بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه والمشهور يعني في كتب الحديث, c'est-à-dire que dans les livres du hadith on va le retrouver de cette manière-là, العدل. Et dans d'autres livres, et ce qui est al-ashhur fi kutub al-lugha, dans les livres de la langue qui traite de la langue arabe, on va retrouver ce terme al-aidahu, al-aidahu, c'est-à-dire bi kasr al-ayn ou fatha al-bad ala wazn al-aida. Ala kulli hal, que ce soit al-aidahu ou al-adhu, c'est la même chose. Et ici ce qui est voulu par ce terme là c'est siha, ce qui est voulu par ce terme là c'est siha. Et pourquoi on va l'appeler, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le dénommer comme étant le siha ici? C'est tout simplement parce qu'il va créer le désordre entre les gens. Inam. Il va créer donc le désordre entre les gens. C'est une des raisons pour laquelle les sorciers utilisent la sorcellerie. C'est-à-dire pour créer l'ifsad, pour créer donc le désordre et la haine entre les hommes. Donc dans ce sens, on va voir donc qu'il y a bel et bien une chose qui est commune entre le sihr et entre un namima. Et qui va avoir un résultat donc qui est commun. C'est dans ce sens donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé ce terme-là, al-abu, pour nommer an-namima. Également dans l'autre hadith, de même dans l'autre hadith qui lui est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an wa fi sahih muslim, ala unabbi'ukum bil-abu yan-namimatu al-qalatu bayna an-nas. Donc c'est an-namima, celle qui est dite entre les gens. Ala unabbi'ukum bil-abu, c'est-à-dire vous informerai-je pas de ce qu'est Al-Adr. Donc ici, Al-Sihr, bimana, Al-Sihr. Et une chose également que l'on va préciser, peut-être qu'on a oublié au départ, c'est lorsqu'on a dit que ça faisait partie de min anwa' al-shirk, ça faisait partie donc des catégories du shirk. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Sihr, afin d'y accéder, que ce soit en l'apprenant ou que ce soit en le pratiquant, il va falloir automatiquement passer par les djabs, al-shayatin. Et c'est ce qu'on font les sorciers. Ils vont arrêter les sorciers, ils vont se soumettre au quoi? Aux shayatines. Obligés. Ils vont être obligés d'obéir aux shayatines. De se soumettre aux ordres des shayatines. Aux ordres des diables. Ils vont être obligés de céder d'eux. Yasta'inu bihim. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de céder de ces shayatines. Donc c'est dans ce sens qu'ils vont être obligés de tomber dans ce qu'on appelle le kufr ou le shirk. Donc c'est dans ce sens que ça fait bel et bien partie sihr du shirk. Bien entendu, sihr ici, au niveau de la religion, comme cela va être compris au niveau de la religion, après avoir bien entendu compris qu'est-ce que voulait dire le terme sihr au niveau de la langue arabe. Donc on va ici voir que c'est un peu plus restreint au niveau de la religion, et beaucoup de savants nous rappellent, pour ce qui est du sihr, c'est tout ce qui va en réalité avoir une influence sur le corps de l'homme, comme par exemple les formules de conjuration, comme les nœuds, al-uqad, al-ruqa également, al-azaim. Toutes ces choses-là vont en réalité avoir une influence sur le corps humain. Soit en le rendant malade, ou même, par moments, ayadan billah, en le tuant. Ou alors qu'ils vont déstabiliser la capacité intellectuelle et la raison de l'homme, jusqu'à ce que certaines personnes en perdent la raison, à cause du sihr. Ou alors en séparant les deux époux, en les empêchant, c'est-à-dire les séparant totalement entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a donc ensuite un talaq, qu'ils se séparent totalement. Ou alors, également ce qui arrive, c'est en empêchant l'homme qu'il s'approche de sa femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme il va vouloir s'approcher de sa femme pour avoir une relation intime ou autre, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il va voir des choses en elle, il va ressentir des choses en elle qui vont strictement l'empêcher de s'approcher d'elle. Ça également c'est du sihr. Ça c'est également du sihr. Donc c'est ce qu'on voit et c'est ce qui est connu par rapport au dîn, par rapport à la religion, et c'est ce qui fait bel et bien partie ici donc de ce qui est blâmable, de ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que le sihr, il est bel et bien interdit, comme va nous le préciser le shir en citant donc les versets du Coran. C'est pour ça qu'il dit ensuite le shir, donc en revenant à la réponse qu'il nous a donnée, يقول السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. Donc ça on l'avait déjà dit entre parenthèses, on va le répéter. Il faut savoir que le shir, comme toute chose, et comme tout acte qui va être blâmable,
ça ne peut être fait que par la permission d'Allah Azzawajal. Que par la permission d'Allah, illa bi'idhnillah Azzawajal. Et bien entendu, ceci va donc rentrer dans ce qu'on appelle al-qadar al-kawni. Ça va rentrer donc dans ce qu'on appelle al-qadar al-kawni. Donc, le destin qui est dit lui universel. C'est-à-dire, on sait que le destin universel, il va rentrer dedans tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, que ce soit l'iman, la foi, que ce soit le kouf, la mécréance. Tout va rentrer dans le qadar al-kawni. Taïb, donc on voit ici que ce qui va rentrer dedans, parmi ces choses donc qui arrivent, ce sont bel et bien le sihr. Donc cela n'a pu advenir que par la permission d'Allah Azzawajal. Et bien entendu, Allah Azzawajal n'aime pas cet acte-là, comme il n'aime pas donc le mal, comme il n'aime pas le kufr, etc., le fasad, ou l'ifsad. Donc ça ne peut rentrer dans le qadar, bien entendu, al-shar'i, c'est-à-dire donc dans le destin législatif ou religieux. Al-qadar al-shar'i ou al-qadar al-dini. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal, Allah Azzawajal n'aime pas cette chose, donc il ne peut rentrer dans le qadar al-dini, mais il rentre dans le qadar al-kawni. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, il rentre dedans toute chose, tout ce qui peut arriver sur cette terre et autres. Et donc il va nous dire, le cheikh va nous citer un verset du Coran. Il dit: kama qala ta'ala fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Donc ils apprennent auprès de ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc dans un premier temps, on va voir ici un des résultats néfastes du sihr. C'est donc, comme on a dit, le fait de semer la désunion entre l'homme et son épouse, comme c'est cité ici dans le verset du Coran. Et wa ash-shahid ici, c'est-à-dire le témoin argumentatif, c'est ce qu'on va trouver dans la deuxième partie du verset. Wa ma hum bidarrin bi min ahadin illa bi ibnillah. C'est-à-dire, or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Donc ce sihr, il advient avec la permission d'Allah Azzawajal. Et cela rentre dans Al-Qadar Al-Kawni. Allah Azzawajal Qaddarahu, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal l'a prédestiné. Et cette prédestination donc rentre dans ce qui est universel. Ce qui rentre dedans, dans ce qui est universel, c'est ce que Allah Azzawajal il aime et ce qu'il n'aime pas. Tout, donc tout. Contrairement à Al-Qadar Al-Shar'i Wad-Dini, qui lui, il ne rentre dedans ce que Allah Azzawajal uniquement il aime. Donc dans ce sens, on sait bien que Al-Qadar Al-Kawni est bien plus général que Al-Qadar Ad-dini wa shar'i. Et donc ici, le sihr, il rentre dans la première partie, c'est-à-dire celui qui est le plus général. Il va nous dire wa ta'thiruhu thabitun fil ahadith as-sahiha. C'est-à-dire que son effet, il a bel et bien un effet et un résultat, ce sihr. C'est quelque chose qui est thabit, c'est-à-dire qui est authentique, et nous on y croit. Et pourquoi le sihr précise bel et bien cela? Car on sait qu'il va avoir des gens de l'innovation qui vont dire que le sihr en réalité n'existe pas ou qu'il n'a pas réellement d'effet, comme Al-Mu'tazila et d'autres. On va revenir sur cela. Donc c'est pour ça que Al-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, ils nous précisent tout le temps lorsqu'ils parlent du sihr que c'est bel et bien une réalité. Le sihr est quelque chose qui est réel. Le sihr est quelque chose qui a un effet qui est bel et bien palpable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à travers donc la maladie, à travers la séparation entre l'homme et la femme, etc. Ce qu'on a cité auparavant. Et on va savoir, parce qu'il nous a dit le shir, ثابتون في الأحاديث الصحيحة. On va tout simplement donner, et là c'est une chose qui est importante de préciser, parce qu'il nous a dit que cela est bel et bien attesté dans les hadiths authentiques, on va savoir, d'après un hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari, et également l'imam muslim, donc muttafaqun alayh, un hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. Il va nous rappeler, l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, un hadith qui nous est rapporté par notre mère, la mère des croyants, Aïcha, radiallahu ta'ala, anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ensorcelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ensorcelé. Et donc cet ensorcellement qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve bel et bien que le sihr, il est réel. Et qu'il a bel et bien une influence.
Et on va expliquer ce hadith et on va le citer car c'est important. Dans un premier temps, pour répondre aux gens de l'innovation, mais également pour répondre aux autres personnes, alladhina yat'anun fi nubuwati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux donc qui veulent discréditer la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith donc est le suivant. An Aisha radiyallahu anha, an an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam suhira. Que le prophète donc elle nous informe que son homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été ensorcelé. Hatta innahu la yukhayyaru ilay annahu yaf'alu shay wa ma yaf'alu. C'est-à-dire jusqu'à que il s'imagine qu'il fait quelque chose alors qu'il ne le fait pas. Wama yafalu. Donc, ce sihr, cet ensorcellement fait qu'il s'imagine le prophète sur sa jambe qu'il fait quelque chose alors qu'il ne le fait pas. Ça a été donc l'effet de ce sihr-là. Et comme va nous le répéter et nous le rappeler Ibn Qayyim, rahmatullah, et également l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayh, ils vont nous rappeler ce sihr, c'est-à-dire cette sorcellerie dont a été victime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en réalité marad, ça a été donc une maladie. Maradan min al-amrad, une maladie parmi toutes les maladies qui existent. Et on sait que les prophètes, ils ne sont pas à l'abri de cela. Les prophètes sont comme les hommes, et parmi eux notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils tombent malades comme les hommes. Et c'est ce qui lui est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par ce sihr. C'est quelque chose donc qu'il a eu comme maladie et qui s'est propagé dans son corps. Et donc, on ne peut dire à tout moment ici que c'est un naqs. On ne peut dire que c'est donc une imperfection. Pourquoi ? Parce que les anbiya, les prophètes, dans leur droit, il est permis qu'ils tombent malades. Car ce sont des hommes. Et donc, yajri alayhim a yajri ala l'insan. C'est-à-dire que ils sont soumis à ce qui est soumis l'homme parmi, bien entendu, les choses que l'on va dire naturelles, comme bien entendu la maladie, etc. Taïb wa'ada donc, c'est quelque chose donc qui est certain. Annahu qala laha dhat yawm. C'était là ensuite, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, un jour, atani malakan. Il y a deux anges qui sont venus auprès de lui. Fajalasa ahaduma 'inda ra'si. Un d'eux s'est assis auprès de sa tête. والآخر عند رجلي et l'autre il s'est assis auprès de ses pieds عند رجلي نعم والآخر عند رجلي فقال ما وجع الرجل c'est-à-dire donc quelle est donc la maladie de cet homme là de cet homme c'est-à-dire quelle est sa maladie quelle est sa souffrance ما وجع الرجل قال مطبوب donc ce terme là مطبوب qui vient du terme donc طبّه qui est tout simplement donc sihr. Donc lorsqu'on dit matboub, ça veut dire tout simplement mashour, ça veut dire donc ensorcelé. Donc il lui a informé cette maladie ou cette souffrance, il lui a dit donc matboub, il est donc ensorcelé. Qal wa man tabbahu, c'est-à-dire quel est celui qui l'a ensorcelé. Wa man tabbahu, bima'na wa man sahara. Qal Labid ibn al-A'sam. Donc cette personne-là, Labid ibn al-A'sam, qui a donc ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi mushtin wa mushatatin wa fi jufi tal'atin dhakarin fi bi'ri dharwan. Donc il va tout simplement l'informer qui lui a fait ce sihr et comment il lui a fait ce sihr, ou plutôt où se trouve ce sihr. Fi musht, c'est-à-dire fi musht, on dit musht ou on dit misht kadhalik, c'est-à-dire donc dans un pain wa mushatatin. Mushatatin, c'est tout simplement donc le cheveu qui va tomber donc de la tête ou des cheveux lorsqu'on peine. Taïb, donc ce cheveu, il a été pris par cette personne-là et à partir de ce cheveu du prophète sallam, il a fait le sihr. Fi juffin tal'atin dhakarin fi bi'ri dharwan. Il l'a placé donc ce cheveu dans ce qu'on appelle donc fi juffin tal'atin dhakarin fi bi'ri dharwan. Et en réalité ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est tout simplement wi'a tar'an nakhl. C'est en réalité ce qu'on appelle les spadices des palmiers. Qu'est-ce que c'est? Simplement pour expliquer, lorsque vous avez une rose, au moment où elle va s'ouvrir, elle s'est à peine ouverte, la rose. Vous voyez un peu la forme que ça? C'est de même pour ce qui est de ce qu'on appelle tar'an nakhl.
c'est le même. On dit tala ou qu'on dit talaatin. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes. Il y a celui qui va être considéré comme zakar, celui qui est donc dit zakar, qui est donc mâle, et celui qui va être femelle. Celui qui va être mâle et celui qui va être femelle. Et il est bien précisé également, regardez la précision qui va être donnée, qui va être donnée par l'ange, c'est que ça a été mis dans un qui est donc ici mâle. C'est pour ça qu'il est dit fi jufin talaatin zakarin. Talaatin zakarin. Donc ici zakar, bimana donc mâle. Donc il a été placé dans cela. On a parlé donc de ce djouf, donc qui est comme wi'a ou tar'in nakhl, c'est bien entendu les palmiers. Les palmiers, donc ce qui se trouve sur les branches des palmiers. Et là où va sortir donc ensuite les ce qu'on appelle les tamr, ou rotab, taïb les dates. Donc au moment donc où il y a cette formation, comme on l'a dit, et comme je vous ai dit l'image que je vous ai donnée, comme la rose au moment où elle va s'ouvrir. Donc il a placé à cet endroit-là, cette personne-là, l'abid, il a placé donc le cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il a été le mettre dans un puits qui s'appelle Zarwan, comme dans la version de l'imam al-Bukhari. Donc c'est là qu'a été placé le sihr qui a été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le rappelle, et ça c'est également un point qui est important, l'imam al-Nawawi, il va nous dire, donc ici on fait un rad de par ce hadith à qui al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis, ceux qui ont dit que le sihr il n'est pas réel, le sihr n'est pas réel. On va également faire un rad à partir de ce hadith à ceux qui ont dit que de par ce sihr le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été influencé par rapport donc à quoi? À sa prophétie, c'est-à-dire que cela a touché sa prophétie. Et la réponse bien entendu c'est de par ce hadith. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de versions comme celle de l'imam al-Bukhari, innahu la yukhayyaru ilayhi annahu yaf'alu shay wa ma yaf'alu. C'est-à-dire que cette maladie qu'il a eue, c'est une maladie qui touche en réalité le corps. Et donc, c'est pas quelque chose qui a eu une incidence sur son aql, c'est-à-dire sur la raison du prophète Sam, et non son cœur, et non sa croyance. Taïb. Donc en réalité, ça n'a même pas effleuré la prophétie. Et ça n'a même pas effleuré Ar-Risala. Donc de par cela et de par ce hadith, et les versions qui s'y trouvent, on fait un rad, non seulement à ceux qui ont dit que le sihr n'est pas réel, et à ceux qui ont dit qu'il est réel, et qu'il a eu donc une influence par rapport à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani ceux qui ont voulu par là discréditer, les gens de l'égarement qui ont voulu discréditer, les gens du kufr qui ont voulu discréditer donc la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par cela. Donc ici c'est bel et bien un rad que l'on fait à partir de ce hadith pour ces deux fariq, c'est-à-dire pour ces deux donc parties. Ayyadan billah. Donc ici c'était bien pour préciser ce qu'a dit le cheikh lorsqu'il a dit wa ta'thiruhu thabitun fil ahadith as-sahiha. C'est donc que son effet est bel et bien réel à partir donc des hadiths, à partir donc des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Et également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres hadiths, il nous a mis en garde du sihr parce que c'est quelque chose qui est bel et bien réel. Et il nous dit le cheikh, maintenant il va parler de sahir, c'est-à-dire du statut de celui qui fait ce sihr. Donc on a compris que le sihr c'est totalement interdit et que ça rentre donc dans le kufr, comme on l'a expliqué. Il va nous dire ensuite le sihr par rapport donc à sahir, il nous dit kama nassat alayhi ayatul baqara fa huwa kafir. Il va nous dire que le sahir il est considéré comme kafir, il est considéré donc comme un mécréant, quelqu'un donc qui sort de l'islam. Et c'est pour ça que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayh, lorsqu'il a écrit ce qui annulait ou les annulations de l'islam, Nawaqid al-Islam, il nous a rappelé au dixième Naqib, c'est la dixième annulation, il nous a bel et bien rappelé wa minha ta'allum sihr wa ta'limu, c'est-à-dire et parmi ces annulations ceux qui annulent l'islam, donc bien entendu la personne devient kafir, celui qui apprend le sihr et celui qui l'enseigne. Ils vont se baser sur ce verset du Coran, surat al-Baqara, toujours à la suite. يقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne
qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Ma wa shahid, al-shahid, c'est tout simplement le témoin argumentatif ici, c'est dans cette parole « Fala takfur ». Pourquoi ? Parce que précédemment, Allah Azzawajal nous parle du sihr, et donc de l'apprentissage du sihr. Et ici ce qui va être dit, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Donc ils ne vont pas enseigner cela, ceux qui vont donc prendre d'eux, ils vont tout simplement donc l'apprendre. Et ici, une mise en garde qui va être faite pour ceux donc qui vont apprendre ce sihr. Et cette mise en garde c'est dans la parole d'Allah Azzawajal, فَلَا تَكْفُرْ, lorsqu'il nous relate ce qui a été dit donc par les deux anges. فَلَا تَكْفُرْ, donc ne sois pas mécréant. هذا هو الدليل واضح, c'est une preuve qui est plus qu'évidente du Coran, que celui qui va donc apprendre le sihr, c'est tout simplement, il va tomber donc dans le kouf, il va donc être un kafir, il va devenir par là donc un sahib. C'est comme cela donc ce que le shir rahimallah nous rappelle comme preuve du Coran. Il a qawlihi, bien entendu il va citer ensuite la fin du verset, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et donc dans la suite du verset, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Donc ici le sihr. Ils savent très certainement que celui qui acquiert cela n'aura aucune part dans l'au-delà. N'aura aucune part dans l'au-delà. Et bien entendu ici le verset, c'est par rapport aux juifs. Par rapport aux juifs. Comme le rappellent les gens de science, ceux qui ont échangé donc le sihr, ou qui ont échangé la Torah contre le sihr. Et ici, bien entendu, le verset « Ma lahu fil akhirati min khalaq », c'est-à-dire du fait qu'ils ont pratiqué ce sihr et qu'ils ont donc délaissé la Torah, qu'il est advenu ici ce istibdal, lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jal « Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah »« Laman ishtarahu » Ce donc qu'ils ont acheté Ayadun billah, donc qui ont changé la Torah contre le sihr, laissa lahu nasibun fil jannah, hada huwa al-ma'na. C'est-à-dire qu'ils n'auront donc pas de part dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas de part? C'est-à-dire qu'ils ne rentreront jamais dans le paradis. Et donc ce seront des mécréants qui ne rentreront jamais au paradis, qui n'auront jamais une part. Al-khalaq, c'est un nasib, qui n'auront donc jamais une part dans l'au-delà. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Hada huwa kadhalik shahid wajh al-istidlal. Donc c'est ici le témoin et l'aspect argumentatif pour ce qui est de la suite du verset, qui nous prouve également donc que celui qui fait le sihr, qui est un sahir précisément, à qui donc yutlaq alayhi, c'est-à-dire qu'on le nomme comme sahir, qui est en réalité un kafir. Et parmi les imams qui ont dit que le sahir yakfur, donc il devient mécréant, sort de l'islam, il y a l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa et également l'imam Ahmad rahmatullah ala al-jami'a. Ensuite, le shir à la question 174, il va nous dire quelle est donc la sentence qui va t'affliger au sorcier. C'est pour ça qu'il nous dit ma haddu sahir. Donc al-had et son pluriel qui est al-hudud sont donc la peine, la sentence qui va être affligée à ce sorcier par rapport à la religion. Donc celui que l'on va intercepter, dont les autorités interceptent et dont la preuve est faite que c'est bel et bien un sorcier, qu'est-ce qu'on fait à cette personne-là par rapport à la religion, par rapport au dîn? Il va nous donner la réponse en nous rappelant donc ici des paroles de sahaba, des paroles de sahaba. Avant donc de donner la réponse, il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remonte donc à lui, qui sont donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous prouve le statut qui va être ici affirmé par le shir, ou plutôt Arfouane, ce qui va nous prouver cette peine, parce que là on parle de peine et de sentence, ça va être en réalité des paroles et des actes des sahaba. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui était donc le calife bien guidé. Et on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres, il nous a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Il nous a donc dit de nous accrocher à sa sunna et de nous accrocher également à la sunna des califes bien guidés.
ceux qui viendront après lui. Et le deuxième calife, bien entendu, de l'islam, comme tout le monde le sait, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu. Et on va voir qu'il était authentifié que Omar, comme a fait Sahih al-Bukhari, comme dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que Omar, il a écrit un khitab, et dessus il était dit, aniqtulu kulla sahirin wa sahira, de tuer donc tous les sorciers et les sorcières. Ça, c'est donc l'ordre de Omar. Et c'est donc appliqué ensuite par ceux qui l'ont suivi. Le shir ici, il va nous dire, Rawa Tirmidhi an Jundub, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, haddu sahir, darbu bis saif. Ici donc, wa sahha waqfuhu, wal amal ala hadha, inda ba'd ahli al-ilm min ashabi al-Nabi sallallahu alayhi wa ghayrihim. Donc il va nous dire, le shir, ce hadith. Dans un premier temps, on dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce hadith, il a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens du hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني في الكبير et d'autres encore. C'est un hadith en réalité qui n'est pas authentique comme étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا لا يصح مرفوعا. On avait déjà vu dans les hadiths qu'il y a celui qui dit marfou, donc celui qui est élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est donc la parole du prophète, et celui qui dit mawquf. Mawquf, c'est-à-dire qui s'arrête à la parole du compagnon, et ce compagnon-là ne l'élève pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça reste sa parole à lui. Ça reste la parole du compagnon. C'est pour ça qu'il nous dit وَصَحَحَ وَقْفَهُ وَقَالَ الْعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. C'est-à-dire que l'imam Tirmidhi, il a authentifié ce qu'on appelle وَقْفَهُ, c'est-à-dire le fait que ce hadith s'arrête au compagnon qui le rapporte. C'est qui ici? C'est Jundub. Ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu. Donc ici on va quand même profiter, si on sait que ce n'est pas authentique qu'il ait été élevé au prophète sallam, on va profiter qu'il est authentique en étant comme la parole de Jundub, et donc on va profiter que c'est la parole d'un sahaba, et donc c'est l'avis donc ici également d'un sahaba, ce qui va donc appuyer la parole de Omar. Jundub, il a dit haddu sahir darbu bis saif, c'est-à-dire donc la sentence du sorcier, c'est quoi? C'est donc le frapper avec le sabre, bien entendu, donc le tuer, c'est le coup d'épée. Il va nous dire ensuite le shir, c'est-à-dire que ceux qui ont pris cette parole prise des sahaba, il va voir l'imam Malik, également l'imam Shafi'i. وقال الشافعي رحمه الله, il va nous rapporter ici la parole de l'imam Shafi'i. إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i ici va faire une différence entre celui dont son acte va atteindre le kufr, va être donc du niveau du kufr, taïb, celui-là, on va donc le tuer. Par contre, celui donc qui a un acte, on va revenir dessus, certaines personnes qui font en réalité des actes de sorcellerie, mais qui n'atteignent pas hadd al-kufr, qui n'atteignent pas donc le niveau du kufr. On va revenir sur cela. Ensuite, il dit, l'imam Hafid, وَقَدْ ثَبَتَ قتل الساحر عن عمر donc on l'a vu ça, عن عمر وابنه عبد الله وابنتي حفصة إنعم également son fils عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما qui lui aussi il est authentifié de lui qu'il a donné comme sentence la mort aux sorciers, également la fille de عمر et qui est حفصة la mère des croyantes رضي الله تعالى عنها, et comme cela nous est rapporté d'elle que une de ses servantes l'avait ensorcelée et qu'elle a appliqué sur elle cette sentence et qui était donc de la tuer. Wa Uthman ibn Affan, donc également un autre calife parmi les califes bien guidés, comme nous dit le shir, Uthman ibn Affan, wa Jundub ibn Abdillah, donc al-Bajali, celui qui a rapporté le hadith, qui a réalité sa parole et non la parole du prophète sallam. Wa Jundub ibn Ka'b, wa Qais ibn Sa'd, wa Omar ibn Abdul Aziz, wa Omar ibn Abdul Aziz, wa Ahmed, l'imam Ahmed, wa l'imam également Abu Hanifa wa ghayrihim rahimahumullah, et d'autres encore. Donc on voit tous ces salafs et tous donc ces sahaba, et on ne connaît pas un sahabi qui a dit le contraire. On va s'apercevoir donc que le hukm dans l'islam pour celui qui est sorcier, c'est donc la mort. On doit donc le condamner à mort et le tuer.
Ici, pour donner quelques compléments à ce sujet qui est le sihr, et ce qui a été dit à travers les paroles de Hafiz, rahimahullah ta'ala, on va voir que beaucoup de savants, ils ont donné deux catégories pour ce qui était du sihr. Deux catégories. La première catégorie est ce qu'ils appellent al-sihr al-haqiqi, la véritable sorcellerie, ou la sorcellerie réelle. Al-sihr al-haqiqi. Et c'est ce qu'on a vu auparavant. Et la deuxième catégorie, c'est al-sihr al-takhili. Al-sihr al-takhili. Qu'est-ce que c'est? C'est en réalité ce qu'on appelle également al-qumra. Al-qumra, c'est en réalité l'ensorcellement ou la sorcellerie qui est dite imaginaire. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'acte qui a été fait par qui? Par les Sahara, par les sorciers de Pharaon. Lorsqu'il est dit donc dans ce verset du Coran, وَسَحَرُوا أَعْيُونَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Donc ici, on va s'apercevoir dans ce verset qu'ils ont donc ensorcelé quoi? Les yeux des gens. Donc c'était uniquement les yeux qu'ils ont ensorcelés. Tayyib. Et ça, c'est ce qui rentre dans l'imaginaire. C'est-à-dire que la personne, elle va voir une autre personne qui fait des choses, elle va s'imaginer qu'elle fait des choses. En réalité, elle ne fait pas ces choses-là. Donc c'est pas du réel ici, mais c'est de l'imaginaire. Mais le sihr ici, il va avoir donc comme effet de s'imaginer qu'il voit cette chose que la personne est en train de faire. Et en réalité, elle ne le fait pas. Comme ils font, comme on le voit, beaucoup de sorciers qui utilisent ça, lorsqu'ils font croire aux gens qu'ils rentrent dans le feu, lorsqu'ils se plantent des couteaux sur leur cœur, etc. Donc en réalité, ici, ils vont agir sur ces personnes-là par l'imaginaire. Et c'est ce qui était fait par donc les sorciers de Pharaon. Naam, jeté, dit-il, puis lorsqu'ils eurent jeté, bien entendu, le bâton. Ils ont jeté donc leur bâton, Tayyib. Et ce bâton-là, le cercle qu'ils ont fait, c'était tout simplement que les gens, ils se sont imaginés que ces bâtons-là bougeaient, qu'ils devenaient des serpents. Ils ensorcelèrent donc les yeux des gens et les épouvantèrent. Donc on voit bien ici qu'ils ont ensorcelé quoi? Les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Tayyib. Donc on voit ici cette deuxième catégorie dans ce verset. Et pour ce qui est des Mu'tazila et les gens d'innovation, eux ils ont attesté cette deuxième catégorie, ce qu'on appelle donc sihr al-takhili. Et ils ont donc réfuté sihr al-haqiqi. Et bien entendu, on a expliqué comment réfuter donc cette parole qui était fausse, qui est contraire aux preuves donc de la religion. Pour revenir à ce qu'on a dit et revenir donc à la parole de l'imam Shafi'i, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, lorsqu'on avait vu que l'imam Shafi'i, il a en réalité lui distingué entre ce qui va être de l'ordre du kouf par rapport à la sorcellerie, ce qui ne rentre pas dans du kouf ou qui n'est pas du niveau du kouf. On va voir également une autre parole de lui, l'imam Shafi'i. Il nous dit إِذَا تَعَلَّمَ السِّحْرَ قُلْنَا لَهُ. Donc si une personne apprend le sihr, on va lui dire siflana sihrak, c'est-à-dire informe-nous et décris-nous donc ta sorcellerie. Fain wasafa ma yujib al-kufr mithla ma yartaqadahu ahlu babel min ataqarrub ila al-kawakib al-sab'a wa anna taf'al ma yaltamisu minha fawa kafir wa in kana la yujib al-kufr fan yartaqada ibahatahu kafar. C'est-à-dire donc, il va nous dire l'imam Shafi'i qu'après que la personne nous a indiqué, décrit comment était son sihr, il va nous dire si ce sihr-là, il implique donc le kufr, la mécréance. Il nous a donné donc un exemple parmi les gens de Babel, Babylone, ceux donc qui croyaient taqarrub ila al-kawakib as-sab'a, qu'ils se rapprochaient donc des sept galaxies, qu'elles avaient donc un pouvoir, wa anna taf'alu ma yaltamisu minha, et donc qu'elles avaient un pouvoir, c'est kawakib, fawa kafir. Dans ce cas-là, c'est un kafir. Ou en kana la yujib al kufr. Par contre, si cela n'implique pas le kufr, fani artaqada ibahatu kafar. Si cela donc n'implique pas le kufr, mais si lui, il a la croyance que ce qu'il fait, même s'il n'est pas de l'ordre du kufr, c'est mubah, c'est-à-dire donc permis, alors il devient mécréant sous cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il va rendre quelque chose qui est Mubah, qui est donc permis, alors que c'est interdit au niveau de la religion. Donc ici, il va rentrer, sous cet aspect-là, dans le kufr.
Et également, lorsqu'on revient à la parole de l'imam Hafiz rahimahullah, à la question 173, lorsqu'on revient à ce qu'il avait dit, lorsqu'il avait dit وَأَمَّا السَّاحِرُ فَإِنْ كَانَ السِّحْرُ مِمَّا يُتَلَقَّى عَنِ الشَّيَاطِينِ. Donc il va nous préciser également l'imam Hafiz ici, pour bien qu'on remette l'accent sur ce qui a été dit, car on est sur cette question-là, faire la différence entre ce qui va entrer dans le kufr, ce qui ne va pas entrer dans le kufr, ce qui va rendre la personne kafir de ce qui ne va pas la rendre kafir. Il va nous dire que si son sihr, il est pris des shayatins, il est pris donc des djabs, alors dans ce cas-là, c'est un kafir. Et qu'est-ce qu'on va comprendre donc le contraire, s'il n'est pas pris donc des djabs, s'il n'est pas pris des djabs, son sihr, alors il ne devient pas kafir. Également, ça c'est une précision que va nous donner l'imam Hafiz par rapport à cette question. Il nous a dit وَأَمَّا السَّاحِرُ فَإِنْ كَانَ السِّحْرُ مِمَّا يُتَلَقَّى عَنِ الشَّيَاطِينِ كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ الْبَقَرَةِ. On a vu que في سورة البقرة ce sihr va donc être pris par rapport aux shayatin. Donc فَوَا كَافِرُ. À ce moment-là donc il devient lui kafir. فَلَا تَكْفُرُ. فَلَا تَكْفُرُ. Comme dans le verset du Coran. Par contre s'il n'est pas pris des shayatin, alors dans ce cas-là, non. Et on va voir que également d'autres savants, ils vont nous dire que lorsque le sihr il est fait avec certains bi adouya ou tatrin, c'est-à-dire certains médicaments qui sont utilisés, adouya ou tatrin, c'est-à-dire en utilisant la fumée, etc. Donc certaines choses, ils vont nous dire beaucoup de savants, parmi Ashab l'imam Ahmed et d'autres encore, également Ashab l'imam Abi Hanifa et d'autres encore savants, parmi les jurisconsultes, ils vont nous dire donc que cela ne rentre pas donc dans le kufr, que la personne donc ne vient pas kafir en utilisant certaines choses. Donc oui, il faut bien faire une différence ici entre ceux qui vont apprendre le sihr et qui vont l'utiliser et qui vont donc employer les shayatin, qui vont employer donc les djabs à travers donc ce sihr, et lorsqu'ils ont appris leur sihr, le sihr des shayatin, etc., sont bien ici les sahir, celui qui va être considéré comme kafir. Par contre, certaines personnes qui par moment utilisent donc le sihr, comme on l'a dit, bitariqa douya, certains médicaments, ou alors en utilisant des fumées, tatrines, sans avoir appris des shayatines, ou en utilisant les shayatines, les djinns, etc., tayyib, et donc ça ne rentre pas dans le domaine du kufr, alors à ce moment-là, la personne n'est pas kafir de par ce qu'elle fait. Sauf bien entendu si elle, comme l'a dit l'imam Shafi'i, si in irtaqada ibahata, s'il croit cette personne-là que cela est permis dans la religion, et que ce n'est pas interdit au niveau de la religion, elle va devenir kafir, mais bien entendu, comme on l'a dit sous un autre aspect, c'est-à-dire le fait qu'elle va rendre permis ce qui est interdit au niveau de la religion. Tayyib, donc voilà pour ce qui est du sihr. Et ensuite, à la question 175, le shir va nous parler de ce qu'on appelle an-nushra. Salat al-Aisha bientôt, hein. أي طيب خلاص نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication du livre intitulé أعلام سنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. On s'est arrêté la semaine dernière où on était rentré dans un chapitre de la sorcellerie, ce qu'on appelle donc As-Sihr, et on avait expliqué ce que c'était, les différentes catégories et tout ce qu'on a cité donc comme Masail, comme questions qui sont en relation donc avec ce thème. Et on s'est arrêté à la question numéro 175 où le Shir il va nous dire Rahimahullah, ma hiya nushratu wa ma hukmuha. Ma hiya nushratu wa ma hukmuha. Il va nous parler d'une chose, il va nous poser donc une question à propos de an-nushra, ce qu'on appelle
An-Nushra. Qu'est-ce que veut dire dans un premier temps An-Nushra? Donc certains savants nous rapportent et nous rappellent que ça vient du terme Nashr, et qui en réalité au niveau de la langue arabe, At-Tafriq, At-Tafriq, le fait donc qui est la séparation. Et d'autres savants nous disent que c'est un bar min al-ilaj ou al-ruqya. C'est donc un remède. C'est donc un remède et une sorte d'exorcisme. Une sorte d'exorcisme. Ça, c'est en réalité ce qu'on appelle an-nushra. Au niveau de la langue arabe de façon générale, an-nushra. Par contre, pour ce qui est de son acceptation au niveau de la religion, au niveau législatif, il nous rappelle certains des savants, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, que c'est Hal al-Sahir anil Mashur. Et c'est ce que nous rappelle donc ici Hafir, Rahimallah, lorsqu'il va donc nous répondre à Nushratu, il y a Hal al-Sihr anil Mashur, Arfan Ma'am al-Sihr. Il dit à Nushratu, il y a Hal al-Sihr anil Mashur. Hal al-Sihr anil Mashur. C'est donc tout simplement dissiper et enlever donc cette sorcellerie ou ce sort sur qui il a été jeté. Donc Al-Mashur, celui qui est ensorcelé. C'est donc le défaire, c'est donc lui enlever ce quoi, ce sihr. C'est ça en fait An-Nushra. Il va nous dire le shir. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالسِّحْرِينَ مِثْلِهِ فَيَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ بِالرُّقَى وَالتَّعَاوِذِ المشروعه فلا باس بذلك. Tout simplement pour bien comprendre, lorsqu'on parle donc de an-nushra et lorsqu'on dit que c'est tout simplement exorciser ou enlever donc le sihr de celui qui était victime de cette sorcellerie, ou comme on dit conjurer un sort, il va nous dire le shir que cela va être de deux sortes. Cet acte-là va être de deux sortes. Et ensuite, lorsqu'on va comprendre que An-Nushra, elle est de deux sortes, on va tout de suite comprendre pourquoi on va s'apercevoir dans certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite certaines paroles parmi les salafs, qu'il y a ceux qui l'ont autorisé et ceux donc qui l'ont interdit. Ceux qui l'auront autorisé, c'est ceux qui auront vu que ce Nushra, c'est celle qui est de la sorte que l'on fait avec Ruqa, Ta'awith, Al-Mashru'a, comme nous l'a dit donc le Shir. C'est-à-dire donc des invocations que l'on va dire, également Ruqa, un exorcisme que l'on va dire, avec donc des invocations, etc., des versets du Coran, qui sont donc, bien entendu, Mashru'a, qui sont légiférés. Dans ce cas-là, c'est autorisé. C'est pour ça qu'on va s'apercevoir que tous ceux qui l'ont autorisé, ils sont revenus à cette sorte-là. Par contre, la deuxième sorte, et c'est la première que vous citez le shir dans le livre, c'est tout simplement contrer ce sihr et l'enlever par un autre sihr. Et c'est donc là interdit. Fahiya min amali shaitan, fahiya min amali shaitan, comme nous dit le shir. Et on va voir donc le hadith qui concerne cela. Ça fait donc partie de l'acte du diable. Parce que l'on sait que le sihr, il vient des diables. C'est ceux qui l'enseignent aux êtres humains. Et c'est eux donc qui le pratiquent lorsqu'ils cèdent de ces shayatin. Donc le fait de revenir à un sorcier pour enlever le sihr d'une personne qui l'a déjà, qui est victime d'une sorcellerie, c'est tout simplement interdit. Et c'est min amal al-shaytan. Et c'est donc comme cela comprendre an-nushra, qu'elle est de deux sortes. Celle qui est permise et celle qui n'est pas permise. Et pour ce qui n'est pas permis, on va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Jabir radiallahu anhuma, et qu'un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Daoud, et dont l'isnad est hassan, l'isnad est acceptable. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an nushra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé donc à propos de cette nushra, donc qui est le fait de retirer un sortilège. Faqal iya min ash-shaytan, iya min ash-shaytan. Il a dit, répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci vient donc du diable. C'est pour ça donc que le shir il a dit fahiya min amal ash-shaytan, fahiya min amal ash-shaytan.
Et Abu Daoud nous rapporte que l'imam Ahmad a été interrogé à propos de Al-Nushra, Faqal Ibn Mas'ud Yakrahu Hadha Kulla. C'est-à-dire que l'imam Ahmad il a répondu à propos de Al-Nushra, il a dit que le sahabi al-Jalil Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, Yakrahu Hadha Kulla. C'est-à-dire qu'il déteste cela. Et qu'on le dit, et c'est ce qui est le plus souvent et le plus courant chez les salafs lorsqu'ils disent Yakra ou Akra, ça veut dire tout simplement Al-Karaha bit Tahrim, ou Karaha bit Tahrim. C'est tout simplement ici, ils veulent dire par là l'interdiction. C'est détesté, mais à titre d'interdiction. Donc lorsqu'il dit Ibn Mas'ud Yakra ou Hadha Kulla, tout simplement qu'il déteste. Et donc ce qui est voulu ici, ce qui est voulu par ce hadith, c'est bien entendu ceux qui ont recours au sihr, ceux qui ont recours donc à la sorcellerie pour enlever donc un sortilège qui est déjà présent. Donc cela est strictement interdit au niveau de la religion. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, lorsqu'il a dit, ou lorsqu'on lui a demandé, Souila an al-nushra, an-nushra bil alif wal lam, al-alif wal lam lil ahd. C'est-à-dire que on lui a demandé à propos d'un nushra qui est bel et bien précis. C'est-à-dire qu'on a voulu par là un nushra qui se pratiquait dans Al-Jahiliya, chez les gens de la Jahiliya, et qui était donc de recourir à la sorcellerie elle-même, pour retirer donc un sort, etc. Donc, c'est à partir de là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu de cela, donc, par rapport à ce qui lui était demandé, et un nushra qui était celui qui était interdit, c'est-à-dire celui qui était bel et bien précis, celui qui était fait et pratiqué par les gens de la Jahiliya, ayadan billah. Et maintenant, si on voit, si on s'aperçoit d'autres paroles parmi les salafs, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, An Qatada, il a demandé donc à Sa'id ibn al-Musayyib, Rajulum bihi tib, ou yu'akhad an imrati, ou yuhal anhu, ou yunshar. C'est-à-dire qu'on va lui, on lui a posé la question d'Ibn al-Musayyib, par rapport à une personne, bihi tib, c'est-à-dire donc on avait dit, tib, bimana sihr, c'est-à-dire donc qui est ensorcelé. Est-ce qu'on va le laisser comme tel, c'est-à-dire qu'il ne pourra donc par la suite ne pas s'approcher de sa femme, car c'est ici un des cas ou un des résultats du sihr que l'on fait chez un, pour un homme, afin qu'il ne s'approche plus donc de sa femme et qu'il ne peut plus avoir de rapport avec elle. Ou yuhall anhu ou yunshar. Ou alors on va ici donc enlever ce sihr là, et par ce qui est bien entendu autorisé. Ayuhall anhu ou yunshar. Donc al-nushra, al-mashru'a ici. C'est pour ça qu'il va dire, Ibn al-Musayyib, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihi l'islah, innama yuriduna bihi l'islah. Donc il a répondu Ibn al-Musayyib qu'il n'y a pas de mal à cela. Il a voulu bien entendu ici al-nushra, celle qui est autorisée. C'est-à-dire qu'ils veulent par là, ceux qui donc ont pratiqué ce nushra, parce qu'il est autorisé, et on va revenir à ce qui est autorisé, ils veulent par là donc, al-islah, faire le bien, et remettre les choses comme elles étaient auparavant, et donc enlever ce mal qui les a touchés. À partir de là, on va comprendre la parole de Ibn al-Musayyib ou al-Jawaz, et annahu al-nushra al-mashru'a, ce qui est donc permis, et ce qui va revenir donc à ce qui est permis quant à l'utilisation, comme il a dit le shir al-ta'awidh wa al-ruqah, etc. C'est ce qu'on va détailler maintenant. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, lorsqu'il nous a parlé également de Nushra et qu'il nous a expliqué que c'était également, qu'elle se divisait donc en deux catégories, ou qu'elle était de deux sortes, celle qui était donc légiférée, celle qui était interdite. Pour ce qui est de la deuxième, c'est-à-dire celle qui est légiférée, il va dire, An-Nushra tu bi ruqya, wa ta'awidhat, wal adouya, wa da'awat, al-mubaha, fa hadha jaiz. Donc il va nous citer quatre choses ici, Ibn al-Qayyim. Il va nous dire, An-nushratu bi-ruqya. Ruqya. Donc tout simplement faire ce qu'on appelle ruqya. Donc faire acte d'exorcisme en revenant par cela à la lecture de versets du Coran. Et parmi donc ces versets du Coran, ceux qui vont être plus spécifiques par rapport au sihr, il y a bien entendu le Fatiha. Le premier verset, ou la première sourate qui est Al-Fatiha. Et également, comme le rappellent certains savants, réciter les versets qui sont en relation avec
Ibtal al-sihr, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a rappelé comment, de par ses envoyés, il a annulé le sihr des Sahara, le sihr donc des sorciers. Comme fi surat al-A'raf, du verset 117, qu'on va retrouver du verset 117 jusqu'au verset 122, fi surat al-A'raf. وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ. De même, في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إلى آخر الآية et qui est le verset 82 في سورة يونس qui est le verset 82 et également في سورة طه وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا et qui est le verset 69 également 110 في سورة طه. Donc ces versets-là, qui sont spécifiques donc au sihr, ils seront lus sur la personne en tant que ruqya, donc afin de dissiper ce sihr-là qu'il a été atteint. Et bien entendu, ici, il va y avoir des conditions que le sihr ensuite, il va nous rappeler également. Parmi ces conditions, pour ce qui est de raqi, pour ce qui est de celui qui va faire ruqya, raqi, celui qui va faire donc l'acte de ruqya, il va nous dire tout simplement qu'il faut qu'il ait son cœur qui soit attentif, qalbun hadir, également mutawakkil ala Allah, et qu'il revienne à Allah azza wa jal, qu'il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala pleinement, également husnul dhann billah, qu'il se fasse la meilleure des idées envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa i'tiqad annahu ash-shafi, également la croyance que c'est Allah azza wa jal qui est lui seul va guérir cette personne là et que cela ne sont que des asbab, ne sont que des causes. Et pour ce qui est de al-maqru, c'est-à-dire sur celui à qui on va lire ces versets, etc., sur qui on va faire ruqya, il faut que il ait lui aussi la croyance que c'est seul Allah Azza wa Jal qui guérit, qu'il ait son espoir, un grand espoir, fi shifa illah, dans la guérison d'Allah Azza wa Jal. Al-thiqatu billah, également qu'il ait pleinement confiance à Allah Azza wa Jal, et qu'il ait la croyance que la parole d'Allah, il se trouve à l'intérieur de la parole d'Allah Azza wa Jal, al-shifa. Il se trouve dans la parole d'Allah, dans les versets du Coran, al-shifa, la guérison. Ibn al-Qayyim, il nous a également rapporté, il nous a rappelé les invocations, lorsqu'il a dit da'awat al-mubaha. Donc les invocations, bien entendu, toutes les invocations que l'on connaît, qui sont par rapport et qui s'appliquent pour ce qui est de la guérison, comme U'idhuka bi kalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaq, etc. Toutes les du'as que l'on va connaître et que l'on va donc appliquer, et qui sont bien entendu des du'as authentiques, prises donc de la sunna ou alors du livre d'Allah Azza wa Jal. Également, il nous a parlé, Ibn al-Qayyim, pour ce qui était donc des médicaments. Des médicaments, l'adouya. Pour ce qui est de l'adouya, les médicaments, on va revenir donc à ceux qui connaissent ces choses-là, ceux qui ont de l'expérience, al-tajriba, ceux qui connaissent bien comment on guérit de la sorcellerie, bien entendu, à condition que cette personne-là soit l'auteur et dotée d'une croyance qui est saine, qui a l'expérience dans ce domaine-là, et qui connaît donc certains adouya, c'est-à-dire qui va connaître certains médicaments que l'on peut utiliser. Et pour ce qui est également une question que l'on va également citer, adab al-khusus, plus précisément, à titre d'exemple, le fait de prendre de l'eau, d'y mettre ce qu'on appelle des feuilles de cidre, c'est-à-dire les plantes de lotus, et ensuite de lire les versets du Coran dessus, et ensuite d'utiliser cette eau donc, afin de guérir, que ce soit du sihr, ou plus précisément du sihr ou autre. Il faut savoir que certains savants ont contesté cela, cette nushra, bien précisément. Et beaucoup de savants, et beaucoup d'autres savants, ils vont dire que c'est autorisé. Pourquoi ? Parce que ça fait partie tout simplement des médicaments. Comme Cheikh al-Islam, ou comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Également, c'est l'avis de l'auteur du livre qu'on étudie, Cheikh Hafiz, également, qui cite que c'est autorisé de faire cela. Donc tous les médicaments qui vont être donc permis et que les gens, ceux qui sont spécialisés, connaissent.
et qui sont également à titre de ruqa. C'est pour ça que lorsqu'on a parlé de ruqa, le shir il va nous dire dans la question numéro 175, ou la question d'après 176, vu qu'on a parlé et vu qu'il a dit وَإِنْ كَانَتْ بِالرُّقَّ وَتَعَاوِذْ الْمَشْرُوَى, lorsqu'il nous a dit que cela, si un nushra a été utilisé ou cette sorte de nushra reposait donc sur الرُّقَّ وَتَعَاوِذْ الْمَشْرُوَى, il va nous dire مَا هِيَ الرُّقَّ الْمَشْرُوَى, pour bien que l'on fasse la différence, pour bien que les gens aient science de cela. مَا هِيَ الرُّقَّ الْمَشْرُوَى, car les gens ils ont besoin de savoir et de distinguer ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, et de connaître donc les remèdes que l'islam a proposés, qui n'effleurent en aucun cas la croyance du musulman, bien au contraire. Il va nous dire, le shir, يَمَا كَانَتْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ خَالِصَةً وَكَانَتْ بِاللِّسَنِ الْعَرَبِي وَاَعْتَقَدَ كُلُّ مِنَ الرَّاقِ وَالْمُرْتَقِي أَنَّ تَأْثِيرَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. Il va nous rappeler donc ici trois conditions pour que الرقى, donc lorsqu'on dit رقى c'est bien entendu le pluriel de رقية. Il va nous dire le shir qu'il y a trois conditions pour que Ar-Ruqa elle soit légiférée et que le musulman puisse donc l'utiliser. La première condition, c'est celle qu'il va dire lorsqu'il dit ma kanat min al-kitab wa sunnah khalisa. C'est celles donc qui vont être prises, donc des invocations, des versets du Coran avec lesquels donc on va faire cet acte d'exorcisme, qui sont pris de al-kitab, du livre d'Allah Azzawajal, et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna bien entendu authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalisa, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire rien en dehors de cela, uniquement du livre et de la sunna. Wa kanat bil lisan al-arabi. La deuxième condition, que cela soit en langue arabe. Que cela soit en langue arabe, c'est la deuxième condition. Ensuite, la troisième condition, ce qu'on a cité auparavant déjà, c'est que la personne elle a la croyance que ce soit celui qui fait, qui pratique al-ruqya sur les gens, ou que le malade, que ce soit le malade, celui qui est mashour, celui qui est ensorcelé, qu'ils aient donc la croyance, une croyance ferme, que at-ta'thir, l'effet que cela va avoir, ne peut être que par l'autorisation d'Allah Azzawajal. Et que cela, bien entendu, sont des causes qui sont utilisées, et que le véritable shafi, c'est Allah Azzawajal. Donc ça c'est l'irtiqad, ça c'est la troisième condition. Donc il repose, cette troisième condition, sur l'irtiqad, sur la croyance. Il va nous citer, à titre de preuve, ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ensorcelé, comme on l'a vu dans le hadith, dans le cours précédent, lorsqu'il était ensorcelé par l'abid ibn al-Arsam. Et j'avais dit que c'était un juif, en réalité c'était pas un juif, mais c'était un hypocrite et un allié des juifs, pour ce qui était de l'abid ibn al-Arsam, et que le prophète donc a été insensé par cette personne-là, et que Jibril, c'est lui-même qui l'a raqaou, qui l'a donc exorcisé, et qui a donc retiré le sortilège qui lui avait été lancé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sihr, donc ce sihr qui lui avait été lancé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, wa raqaou kathirun aw kathiran min as-sahaba. C'est-à-dire que lui-même, il a fait cet acte ruqya sur beaucoup des sahaba. Et comme il nous le rappelle, il va faire allusion ici au hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, lorsqu'ils avaient été voir une tribu et qu'il leur avait donc demandé à Diyafa de les prendre comme invités, et qu'ils avaient refusé, et qu'ensuite le chef de cette tribu s'était fait mordre par un scorpion, et qu'ils avaient été les voir ensuite, les sahaba, parmi Abu Sa'id, qu'il avait, leur avait demandé s'ils avaient un remède, et donc Abu Sa'id leur avait fait, lui avait fait Ruqya par Al-Fatiha, et qu'ensuite ils avaient pris à partir de cela, de cet acte-là, un Ujra, comme nous le rappelle le shir Ujra, c'est-à-dire qu'ils avaient pris un salaire. Et le prophète sallam, tout cela, il l'a autorisé, et il l'a aqarrahu, c'est-à-dire donc, il a agréé ce qui avait été fait. Bien entendu, tout cela, hadha fi sahihayn. En Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim.
Donc à partir de là, on sait bien que Ruqya, si elle repose sur ces trois conditions, de par l'acte de Jibril, de par l'acte du prophète sallam, de par l'acte des sahaba, c'est quelque chose qui est autorisé bidoun khilaf, sans aucune donc divergence. À la question 177, il va nous dire, rahimahullah, ma yarruqa al-mamnu'a. Donc il a parlé dans un premier temps de celles qui étaient mashru'a. Il va parler maintenant de celles qui sont mamnu'a. Il va nous parler de celles qui sont interdites. Il va nous dire donc, yama lam takun min al-kitab wa sunnah, wa la kanat bil arabiyya. Donc toutes celles qui ne vont pas comprendre les conditions qui sont requises. Donc, qui ne sont pas du livre et de la sunnah. Qui ne sont pas en langue arabe. بل هي من عمل الشيطان واستخدامه وتقرب إليه مما يحبه. Bien au contraire, celles qui ne sont pas donc de cela et dont les conditions ne sont pas requises, alors هذا من عمل الشيطان. Cela fait partie donc de l'acte du diable et de l'utilisation donc du diable, et ça va être un rapprochement auprès de lui, c'est-à-dire ou plutôt utiliser. C'est donc l'utilisation que l'on va faire du diable à partir de là, parce qu'on utilise ces ruqa qui ne sont pas du livre de la sunna, qui ne sont pas en langue arabe. Donc ça va être l'utilisation que l'on va faire du jab à partir de cela. Wa taqarrub ilayhi, et également se rapprocher de lui, du jab, bima yuhibbu, de ce qu'il aime. Kama yaf'alu kathirun min ad-dajajila wal musha'wadhin, comme bien entendu le font beaucoup de gens, les charlatans, les sorciers, ayadan billah. Ces gens-là donc qui font cela, qui vont utiliser des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Les imposteurs, les charlatans, les superstitieux, ayyadun billah. Ils utilisent donc ces ruqa, celles qui sont mamnu'a. Et également, il va nous dire, mimman yanzur fi kutub al-hayakil wa al-talasi, ka shams al-ma'arif, wa shumus al-anwar, wa ghayrihima mimma adkhalu a'da'u l'islam, alayhi wa laysat minhu fi shay. Comme certains livres qui sont très connus. Parmi ces livres-là, ceux qui consultent donc les livres de sorcellerie, de talisman, tels que certains livres, comme celui qu'il a nommé le Shir, qui est un livre connu, Shamsul Ma'arif, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire le soleil donc des sciences, ayyadan billah, et qui est rempli en réalité de shirk et de dua du shaitan, et de ruqa du shaitan, Shamsul Ma'arif, et également Shumus al-Anwar, donc des livres, ces livres-là qui sont connus, et qui en réalité ont été attribués à l'islam par les ennemis de l'islam, ayyadan billah, mais qui n'en font aucunement partie, et qui ne sont ni près ni de loin de ces sciences, c'est-à-dire des sciences de l'islam. Et comme le Cheikh lui-même l'a démontré dans son livre, Ma'arij al-Qaboul, le livre donc, son deuxième livre sur la croyance, beaucoup plus vaste, beaucoup plus détaillé, et qui traite également donc de tous les points de la croyance, Ma'arij al-Qaboul, fi sharh Sulam al-Wusul. Donc voilà ce que va nous rapporter le Shir pour bien connaître ce qui n'est pas de Ar-Ruqa al-Mashru'a, bel min Ar-Ruqa al-Mamnu'a. Ensuite, à la question numéro 178, le Shir, rahimallahu ta'ala, il va nous parler également de ce qui est en relation avec ce qu'on a cité avant. C'est-à-dire, il va en relation avec les questions précédentes. Pourquoi cela? Parce qu'on a parlé de sorcellerie. Ensuite, le Shir, il nous a parlé de Nushra. Comment donc remédier à cette sorcellerie? Et il va ensuite faire la différence entre ce qui est légiféré et ce qui ne l'est pas. Il va nous expliquer également sur quoi repose ce qui va être donc légiféré, sur quoi repose ce qui n'est pas légiféré pour ce qui est de Nushra. Pour ce qui est donc de retirer le sortilège. Donc il était ici judicieux et très important à la question 178 qu'il nous parle d'une chose qui est malheureusement répandue chez beaucoup d'ignorants parmi les musulmans, et qui est donc le fait de se rapprocher des anneaux, ou le fait de se rapprocher des cordes, ou le fait de se rapprocher d'autres choses encore que l'on va ici, inshallah, citer. Afin de quoi? Afin de se protéger donc de ce mal. Donc ici, la sorcellerie ou autre, la sorcellerie ou autre, ou ce qui est encore plus général que la sorcellerie. Donc on voit en tous les cas pourquoi le Shir ensuite, il va nous parler à la question 178 de ce qui est, comme il le cite,
ما حكم التعالق بالتمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها. Il va donc nous dire, le shir, quel est le statut des objets qui sont portés, donc les pendentifs, tout ce qui est en relation avec les pendentifs, tels que les amulettes, tels que les cordes, tels que les anneaux, tels que les fils, tels que les coquillages, etc. Et donc, les gens, lorsqu'ils portent ces choses-là, ils vont le faire ici avec une niya. Ils vont le faire avec une intention. C'est soit raf'al bala, yani ba'd al-wuqu', c'est soit donc, ils font cela lorsqu'ils sont atteints d'une maladie, que ce soit le sihr ou autre, afin de dissiper donc cette maladie ou autre, ou ce malheur dont ils ont été touchés. Raf'ul bala, hada ba'd al-wuqu', une fois que ça a été touché. Ou alors daf'ul bala, c'est-à-dire qabla al-wuqu', ou alors donc se protéger de ce qui peut leur arriver comme malheur ou comme sihr ou autre, donc avant même que ça arrive. Donc ils ont toujours cette niya, ces gens-là, lorsqu'ils portent, c'est ce qu'on appelle at-ta'aliq, donc le fait de s'accrocher des choses, des pendentifs. Ici on va bien, bel et bien détailler pour bien comprendre par rapport à la croyance l'aspect néfaste de cela. Il faut savoir qu'il y a deux cas de gens qui portent cela. On va même en citer un troisième. Le premier cas, c'est ceux qui ont la croyance que ces choses qu'ils vont porter, ces choses elles-mêmes, hein, elles-mêmes, elles ont donc la capacité et le pouvoir donc, soit de leur enlever ce dont ils ont été touchés comme malheur, ou alors de les protéger de tout malheur. Ceux-là, ceux qui ont la croyance dans cela, ils sont entrés dans ce qu'on appelle shirk al-akbar. Ils sont entrés dans ce qu'on appelle l'associationnisme majeur. Et par là, ils sortent de l'islam. Ceux qui ont cette croyance-là, ils sortent de l'islam. Hada shirk al-akbar. Ceux qui croient donc que ces choses en elles-mêmes, elles ont la capacité de faire ce qu'on a cité. Et elles vont rentrer dans le shirk min wajhain. Elles vont rentrer dans le shirk sous deux aspects. Le premier aspect, fi shirk al-rububiyya. C'est-à-dire, ça va rentrer cela dans le shirk propre ou dans le shirk qui va concerner le shirk fi tawhid al-rububiyya, qui va concerner donc l'associationnisme dans l'unicité de la souveraineté d'Allah Azzawajal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'ils ont cette croyance, comme s'ils avaient placé donc une autre divinité qui avait donc la possibilité de gérer ce qui se passe dans l'espace ou autre. Fiyani fi tadbir al-umur. Tadbir al-umur, le fait donc de gérer les choses, d'avoir un pouvoir et la capacité d'agir sur ces choses-là. Ça donc, ça rentre dans le shirk fi al-rububiyya. Ensuite, le deuxième aspect, al-shirk fi al-uluhiyya. Al-shirk fi al-uluhiyya. C'est-à-dire donc le shirk dans ce qui va être propre à l'unicité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi ? Parce que ta'allaqa qalbuhum bi-ghayrillah. C'est-à-dire que leur cœur, ils vont se raccrocher à une chose qui est autre qu'Allah Azza wa Jalla, en ce qui concerne donc raf al-bala, en ce qui concerne de dissiper donc un malheur, que ce soit par espoir, raja'an ou khawfan, que ce soit par espoir wa khawfan et par peur. Donc ils sont entrés dans le shirk al-akbar de ces deux aspects, ceux qui ont la croyance de cela. Ça c'est pour le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, c'est ceux qui vont prendre cela comme sabab. C'est-à-dire qu'ils vont avoir eux la croyance ici que ces choses-là ce ne sont qu'un sabab, c'est-à-dire une cause. Et qu'en réalité, celui qui enlève ou celui qui dissipe les malheurs, c'est Allah Azzawajal. Mais ces choses-là sont des causes qui vont faire que Allah tabaraka wa ta'ala, il va leur dissiper leurs malheurs, ou il va les protéger, ou alors les protéger d'un malheur qui peut arriver. Et ça en réalité c'est du shirkun asghar. Ça c'est du shirkun asghar. C'est-à-dire donc, c'est de l'associationnisme mineur. Ils vont rentrer ici dans l'associationnisme mineur, non dans l'associationnisme majeur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir de l'islam de par cela, mais ils rentrent dans ce qui est khatir, dans l'associationnisme mineur, et qui peut les amener, comme on sait, sans refaire des cours sur tout ce qu'on a vu par rapport au tawhid,
On sait que min khuturat shirk al-asghar, c'est-à-dire des dangers du shirk mineur, c'est que ça amène au shirk al-akbar, ça amène au grand sionisme. Donc il ne faut pas se dire simplement du shirk al-asghar, je ne suis pas sorti de l'islam par rapport à ça. D'abord, c'est du shirk, ça porte le nom de shirk, et Allah Azzawajal ne le pardonne pas. On a vu, on a vu chez les gens de science qui ont étudié cette question avec précision, que ce soit le shirk al-akbar ou que ce soit le shirk al-asghar, Allah Azzawajal ne le pardonne pas. Même le shirk al-asghar, Allah Azzawajal ne le pardonne pas. Ça ne rentre pas tahta al-mashi'a, ça ne rentre pas sous la volonté d'Allah Azzawajal. Donc regardez le khutura, regardez donc le danger de cela, de ceux qui ont cru que ces choses-là sont des sababs, sont des causes. Ayadan billah. Et tous ces gens-là, que ce soit donc la première catégorie, la deuxième catégorie, umkhalafu shara wal qadar, ils ont en réalité été à l'encontre de la religion, de la législation, ils ont été également à l'encontre de al-qadar, c'est-à-dire la prédestination. Car Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui prédestine toute chose, et c'est lui qui enlève toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et donc on doit s'en remettre à Allah Azza wa Jalla, et on doit s'en remettre al-asbab al-mashru'a, c'est-à-dire aux causes qui sont légiférées et dont Allah Azza wa Jalla nous a informé dans son livre ou sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre dans un premier temps, pour ensuite répondre et voir comment revenir à la réponse du shirk lorsqu'il a répondu à ce hukm, c'est-à-dire donc au statut de ces choses-là. Tous les hadiths qu'il va rapporter vont nous prouver que cela est interdit. Bien entendu, cela est interdit. Ça, c'est le hukm. Lorsqu'on parle donc de hukm, de statut, un hukm, automatiquement, ça va soit être interdit, ça va soit être autorisé, ça va soit être déconseillé, ça va soit être mubah, c'est-à-dire permis, ou ça va également être mustahab. Ça peut être également mustahab, c'est-à-dire recommandé, ou alors wajib, ou alors donc obligatoire. Ça, c'est le hukm. Pour ce qui est donc de ce hukm ici, ça rentre dans l'interdiction. Ça rentre dans l'interdiction, fit taharim. Donc ça va être la question, ça va être la réponse que l'on va comprendre à travers, donc directement lorsque le shir va nous citer les hadiths du prophète. Parmi ces hadiths, ceux qui vont être authentiques et certains que le shir a cités qui ne sont pas authentiques. À la kulli hal, l'ensemble de ces hadiths nous prouve que c'est bel et bien une interdiction. Et ici on vous a donné donc la précision par rapport à ce qui était de ces choses-là et ce qu'elles avaient comme conséquences par rapport à la religion, ce qu'on appelle donc tamaim, etc. Et lorsqu'on a cité at-ta'aliq, donc tout ce que les pendentifs, etc., il faut bien comprendre par rapport à cela que c'est tout. Même une chose peut-être qui ne sera pas connue du temps des sahaba et qui va être ensuite connue chez les gens qui sont venus après eux, ou alors de notre époque. Tout ce qui peut être inventé comme pendentif, ça va rentrer dans la même chose. Donc lorsqu'on a cité les exemples, ça c'est des exemples qui étaient connus du temps des sahaba, mais également des exemples qui peuvent être, qui sont advenus ensuite. Comme par exemple une chose qui est répandue chez beaucoup des maghrébins, ce qu'on appelle la main de Fatma. C'est ça, hein? Cette main que l'on se raccroche. Et naam. Ce qu'ils appellent la main de Fatma. Cette main, donc, vous voyez cette main, souvent qui a un œil dans le creux de la main et que les gens ils s'accrochent autour du cou. Ça, c'est des pendentifs. Et ça rentre exactement dans ce qu'on est en train de citer. Pourquoi? Parce qu'on a cité de façon générale. Et comme je l'ai dit, tout ce qui rentre dans cela, et ça, bien entendu, c'est plus que clair que ça rentre dans ce qu'on appelle le ta'aliq, dans les pendentifs. Et les gens qui portent cela, ils ont automatiquement soit cette croyance ou soit cette croyance, comme on dit. Soit ils croient en elles-mêmes. Elle repousse, ou alors que c'est une cause. Et dans les deux cas, c'est du shirk. Le premier shirk akbar et dans le deuxième shirk asrar. Wal'am khatir jiddan. Et donc la chose, elle est plus que dangereuse par rapport aux musulmans et par rapport à sa croyance. Ayadan billah. Ou appelé également khamsa, na'am. Khamsa. Et tous les noms qu'on pourrait donner à ces pendentifs. Na'am. Il y a un troisième cas que l'on va citer également. Peut-être qu'une personne, elle va porter cela, elle va dire, j'ai ni la croyance dans cela, ni la croyance dans cela. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? C'est-à-dire qu'elle va dire, moi, je ne crois pas, je porte juste comme ça. C'est-à-dire, je ne crois pas que cette chose en elle-même, elle repousse le mal.
ou à la porte du bien, et je ne crois pas que cette chose-là est un sabab. On va lui répondre de la manière suivante, et ça on pourrait dire que c'est une troisième catégorie de personnes. On va lui dire dans un premier temps que cet acte-là, yatroul fi tashabou bil mushrikin, que cet acte-là, le fait de porter ce pendentif, ça va rentrer donc dans l'acte de ressembler à qui ? Aux mushrikin, de ressembler donc au politisme, eux qui font cela, eux qui portent donc ces pendentifs avec leurs croyances. Et bien entendu, ici, il est strictement interdit dans la religion. Donc on voit ici qu'on reste toujours dans le tahrim, il est strictement interdit dans la religion de faire des choses ou de porter des choses qui sont ou qui ressemblent ou qui nous font ressembler par là au mushrikoun ou au kuffar, c'est-à-dire donc au politisme et au mécréant. Ça, c'est une loi ou c'est une règle de base au niveau du dîn, au niveau du dîn de l'islam. Tahrim et tashabbou bil kuffar wal mushrikin, l'interdiction de ressembler donc au kuffar et au mushrikin, et encore plus quand c'est ce qui est propre à leur croyance, encore plus. Et également, on va lui répondre min bab sadd al-dhara'i'. Pourquoi? Parce que la personne qui porte cela, yadda'i, c'est-à-dire que lui, il prétend ne pas avoir la croyance. Mais est-ce qu'il est réellement à l'abri? Aujourd'hui, il dit cela. Est-ce qu'il est réellement à l'abri demain que le shaitan, de par ce qu'il porte, il lui fasse un waswas et qu'il lui fasse aimer cette chose-là et qu'il lui rentre dans son cœur cette croyance? Est-ce qu'il est à l'abri de cela, le fait de porter cela tous les jours? Et n'am, un nafs da'if, c'est-à-dire que l'âme, elle est faible. Elle doit s'écarter donc tout ce qui peut l'amener au shirk. Et ça, c'était un minhaj dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie. D'écarter les gens de tout ce qui peut les amener au shirk, même si ce n'est pas considéré ces choses-là, ou alors qu'il n'y a pas la croyance sur ces choses-là, que c'est du shirk. Tout ce qui peut nous amener au shirk, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et ça, en réalité également, ça rentre dedans. Le fait donc de porter cela, et si la personne elle prétend, à ce moment où elle prétend, qu'elle n'a la croyance ni en ça, ni en ça. Parmi ce qu'il a cité le shirk comme hadith, ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud ou l'imam al-Tirmidhi dans leur sunan, et qui est hadith dont l'isnad est hassan, est acceptable. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man allaqa shi'an wukila ilayhi » Donc on voit ici le verbe « allaqa ». On a vu donc le terme qui est employé dans la question du shirk, « at-ta'aliq ». Donc ce qui est en rapport avec les pendentifs. Donc celui qui va raccrocher quelque chose sera confié à elle. Man allaqa shi'an wukila ilayhi. C'est-à-dire donc celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle. On va comprendre par rapport à cela que celui donc qui va raccrocher une chose à elle comme pendentif et autre, Allah Azza wa Jalla va faire automatiquement que son cœur va se raccrocher à elle. Ayyadan billah. Et ce qui nous prouve donc ici que c'est bel et bien du shirk, le fait donc ensuite de se confier à un autre qu'Allah Azza wa Jalla et de s'en remettre à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien ici wajhul al-istishhad, on voit bien l'aspect argumentatif de ce hadith pour ce qui est du tahrim, pour ce qui est de l'interdiction de porter des pendentifs et autres. Et également il va nous dire le shirk wa arsala sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi rasoulan أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Il va nous dire donc ici également dans un hadith qui est rapporté par fi Sahihayn, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé durant donc certains de ses voyages un messager afin de ne laisser aucun colis de corde ou autre au cou d'un chameau sans le couper. C'est-à-dire des choses que utilisaient les gens de la Jahiliya également, afin donc de se protéger, comme on l'a dit, du mal. Donc il rentre également dans Ta'aliq. Et donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné un messager donc de lui, Rasulun lahu, de faire cela, de couper tout ce qui se trouvait comme corde au cou des chameaux, de ne point laisser un chameau avec une de ces cordes. Également un autre hadith qui va nous citer le shir, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Dawud ibn Majah ou al-Baghawi fi Sharh al-Sunnah et d'autres encore, et qui est un hadith authentifié par l'Albani. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna ar-ruqqa wat-tamaim wat-tiwala
shirkun, inna ruqa. Donc, les formules de, ou le, tout ce qui va être utilisé donc, comme exorcisme. Et ici, on va comprendre, bien entendu, bir ruqa, ce qui est mamnoua. Ce qui est mamnoua, c'est-à-dire ce qui est interdit, qui n'ont pas donc les conditions requises, comme on l'a cité précédemment. Inna ruqa, wattama'im, wattama'im. Donc les amulettes, wattiwala, donc tiwala, c'est une chose qui était utilisée, c'était donc comme un type de sorcellerie qui consistait donc à ce que l'épouse soit aimée et désirée par son mari. Ou alors l'inverse, ce qu'on appelle donc tiwala. Et également ça, ça fait partie, comme on a dit, le shirk, tout cela fait partie donc du shirk. Ça fait partie donc de l'associationnisme. D'utiliser donc des ruqa, d'utiliser des invocations, d'exorcisme, qui ne sont pas, qui n'ont pas les conditions requises, wattama'im, amulette, wattiwala, tout ça fait partie donc du shirk, et donc est strictement interdit. Également dans le hadith qu'il a cité, man allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa hadha hadithun da'if. Ça c'est un hadith qui est da'if, donc on ne revient pas dessus. Par contre, une des versions qui est elle, ou un autre hadith qui va être proche de celui, de celui-là, et qui est le suivant, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Donc celui qui va se raccrocher, ce qu'on appelle tamima, et donc qui est le, ici le singulier de tamaim, que l'on traduit par amulette, tayyib. Et donc ce hadith, qui est lui donc authentique, est rapporté par l'imam Ahmad ou al-Hakim et d'autres encore. Et donc celui qui porte une amulette aura associé à Allah. Celui qui porte une amulette aura associé à Allah. Et pourquoi on l'appelle tamimatan, on les appelle également tamaim, ça vient en vérité du verbe tamma, ou atamma. Atamma bil amr. C'est-à-dire que par cela, eux, ils veulent que le projet qu'ils ont eu l'intention de faire soit complet. C'est-à-dire qu'il se complète. C'est-à-dire qu'ils arrivent donc à l'objectif de ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on appelle cela tamima, et qu'on en appelle donc le pluriel qui est tamaim, qui vient donc du verbe atamma. C'est pour ça que dans la version précédente, mais elle qui est da'ifa, fala atammallahu la, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal ne complète pas ce qu'il a voulu, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au but de ce qu'il a voulu. Et également, dans l'autre hadith, également il y a un irtilaf par rapport donc à son authenticité, certains savants le rendent da'if, comme Charles Albani et d'autres. Lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une personne et qui avait de lui fiyadi halaqatun min soufr, c'est-à-dire qu'il y avait à sa main un collier de cuivre, sauf qui est en fait nahas, qui était un collier de cuivre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, faqal min al-wahina, min ta'liliya, c'est-à-dire donc à cause al-wahina, qui est une des maladies. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a obligé d'enlever cela. À la kulihal, il y a un irtilaf par rapport donc à l'authenticité de ce hadith. Mais pour ce qu'on a vu auparavant, cela suffit donc pour prouver que c'est bel et bien interdit. Et pour prouver que ça rentre bel et bien dans le shirk. Donc lorsque le shirk, il nous avait dit à la question ma hukm ta'aliq, c'est interdit. Et en plus de cela, d'après les hadiths, comme on l'a cité donc en introduction, c'est bel et bien donc où ce qui va être et faire partir donc du shirk, ayadan billah. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. On continuera donc pour ce qui est de ce cours, et ce sera inshallah ce mardi, pour ce qui est de al-mu'allaq, lorsque al-mu'allaq, ce que l'on va donc se raccrocher, fait partie ou est du Qur'an, c'est-à-dire des versets du Qur'an, le shirk en parlera. Ensuite, on verra également al-kahan, on verra également tout ce qui est en rapport avec cela. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله l'explication du livre أعلم السنة المنشورة
l'allama Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala. On s'arrêtait à la question numéro 179. Question numéro 179. Le dernier cours, on a parlé donc de tout ce qui est en relation avec Tama'im, c'est-à-dire en relation avec tout ce qu'on a accroché autour du cou et autres. Et donc on a détaillé la parole sur cela. Pour ce qui est d'aujourd'hui, à la question numéro 179, elle est en relation directe avec la question d'avant, bien entendu, lorsque le Cheikh nous avait demandé quel est le statut des objets portés, les pendentifs, tels que les amulettes, les cordes, les anneaux, les fils, les coquillages, etc. Dans la question suivante, il va nous dire le Cheikh, il va nous parler pour ce qui est en rapport maintenant du Coran. Pour ce qui est donc du Coran. Fayaqul, ma hukm al-mu'allaq idha kana min al-Qur'an. C'est-à-dire, quel est le statut de l'objet accroché si c'est du Qur'an. Donc, le mu'allaq, tout ce qu'on va s'accrocher donc autour du cou, etc., et qu'on va donc porter. Et dessus, il y aura donc des versets du Qur'an. Il y aura des versets du Qur'an, parce qu'on parle bien ici du Qur'an. Donc, des versets du Qur'an qui seront écrits, qui sont raccrochés donc à nous, autour du cou, etc. Tout ce qui rentre dans At-Tama'im, etc., comme on l'a expliqué la dernière fois. Mais cette fois-ci, si c'est du Coran, c'est ça qui va, ou c'est la question qui va être posée. Fayaqul al-Shaykh, il va donc nous répondre ici. Il va nous dire Yurwa jawazu an ba'd al-salaf wa aktharhum ala man'i ka Abdullah ibn Ukaym wa Abdullah ibn Amr wa Abdullah ibn Mas'ud wa ashabu radiyallahu anhum wa huwa al-awla لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير الطهارة ولئلا يتوسل بذلك إلى تعليق غيره ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والالتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمن. الشيخ دونك va nous dire qu'il y a deux avis parmi les salafs, celui qui vont dire que ceci est permis, c'est-à-dire donc de porter un objet ou une feuille ou etc. sur lequel il est écrit des versets du Coran, et ici katama'im, c'est-à-dire donc comme pendentif, et donc en se servant de cela afin de s'éloigner des mauvaises choses comme la haine, etc. Donc il va nous dire, lui ici ça rentre pas dans le shirk, pourquoi? Parce que c'est les versets d'Allah Azzawajal. C'est quoi ici? Ce qui est raccroché, l'objet qui va être raccroché ici, c'est les versets d'Allah Azzawajal. Donc ça ne rentre pas dans le shirk. À la kulli hal, c'est pour ça que les savants sont divisés en deux catégories parmi les salafs. Et il nous a cité donc que la plupart des salafs, donc la majorité ici, c'était ceux qui disaient que ce n'était pas permis. Il nous a donc rappelé les noms, comme Abdullah ibn Ukaym, ou Abdullah ibn Amr, ou Abdullah ibn Mas'ud, ou Ashabu, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, etc. Qu'Allah Azzawajal les agrée tous. Donc c'est l'avis de la plupart des salafs. Ici, de ce qu'il a dit le Cheikh, on va en tirer plusieurs choses. Dans un premier temps, il va nous dire « wal awla ». C'est-à-dire tout simplement que de par cette parole, on va comprendre annahu yurajjih al-qawl bil-mana. C'est-à-dire donc qu'il va lui pencher sur la parole qui voit l'interdiction, sur l'avis qui voit donc l'interdiction de porter un objet ici où il sera marqué des versets du Coran en tant que tamima. Tayyib. Ala kulli hal. Le Cheikh, une fois qu'il a donné son avis, il va en donner donc les preuves. Et on va voir ici qu'il va s'appuyer sur trois points fondamentaux pour appuyer ce qu'il a avancé. C'est-à-dire que ceci n'est pas permis de se raccrocher des versets du Coran. Dans un premier temps, il va nous dire ici que « umum al-nahi » لا مخصص للعموم يعني عندنا عموم النهي ولا يوجد مخصص لعموم النهي c'est-à-dire tout simplement qu'on a ici un nahi
et qui est dit général, c'est-à-dire une interdiction qui va être dite générale et globale. On l'a vu dans les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam la semaine dernière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait donc de porter ce qui était raccroché. Comme dans ce hadith qui est général ici, dans le hadith « Man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi » celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle. Et ici on va comprendre donc qu'il n'est pas permis de faire cela. Et dans les autres également, les autres hadiths. Donc c'est dans ce sens que le shir il dit que l'umum al-nahi an al-ta'liq, donc al-ta'liq, le fait de se raccrocher. Donc on voit que ce nahi il est de façon générale. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas fait de distinction entre ce qui est le Coran et ce qui n'est pas le Coran. Par rapport donc, ici on dit bien, par rapport donc au fait d'accrocher. Et donc par rapport à l'interdiction. Donc il dit bien par rapport ici à l'interdiction. Et bien entendu, il y a une différence entre le fait de se raccrocher du Coran et de se raccrocher à autre chose. On va rentrer ici dans ce qui est du shirk et ce qui n'est pas du shirk. Donc il y a bien une différence. Mais on est ici, min bab nahi. C'est pour ça qu'ils ont bien dit les savants, umum nahi. Ils ont parlé uniquement de l'interdiction. Donc il est interdit de s'accrocher quelque chose ici. Donc cette interdiction elle est globale. Et donc dans ce sens, on va comprendre que ça englobe le Coran et autre que le Coran. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ici ma yukhassif dhalik. Il n'y a pas ici ce qui est venu restreindre ce nahi qui est global. C'est-à-dire qu'il est venu faire une exception ou apporter une exception. Qui est venu apporter une exception. Par exemple, hadith qui nous aurait permis ici de porter ce qui est du Coran. Donc ici, ça aurait été dans ce sens mukhassis, c'est-à-dire ça aurait été dans ce sens une exception. Cela donc aurait venu restreindre al-umum, ce qui est donc général par rapport aux autres hadiths. Et on n'a pas ça. Donc on reste sur la base. Et la base ici c'est umum al-nahi, c'est donc l'interdiction qui a une portée donc globale et générale. Ça donc c'est la première preuve que va nous rapporter le shir, la première argumentation. Ensuite la deuxième argumentation, lorsqu'il a parlé de sadd al-dhari'a. Sadd al-dhari'a, c'est tout simplement donc de fermer les portes, que cela ne devienne pas un moyen de porter d'autres choses. Enam. C'est également une argumentation qui est forte. Parce que la personne ou les gens peuvent porter donc ce qui va être du Coran, et d'autres gens vont voir cela et vont dire il est également, Inch'Allah, il est également permis de porter ce qui est en dehors du Coran, etc. Donc on va ouvrir ici une porte à ce qui est interdit. C'est-à-dire donc, et même une porte, une grande porte, la porte du shirk, c'est-à-dire porter des choses qui ne sont pas du Coran. Et c'est souvent ce qui arrive. C'est souvent ce qui arrive chez les gens, malheureusement. C'est-à-dire qu'on commence par cela, à porter du Coran, et ensuite, les choses se répandent, et les gens, donc, vont aller encore plus loin. C'est-à-dire, donc, commencer à porter des choses qui ne sont pas du Coran. Également, ça, c'est une argumentation qui est forte. Donc, dans ce sens, on va couper, lorsqu'on ne porte pas les choses où il est écrit des versets du Coran. On va donc ici couper les moyens. Et on va donc fermer la porte à ce qui n'est pas du Coran. La troisième argumentation, l'issonil Coran an ihanati. C'est-à-dire donc le fait de protéger le Coran, de préserver le Coran de toute profanation. Enam. Parce que dans un premier temps, on va souvent porter cela, et dans la plupart des cas en état d'impureté. Également, peut-être la personne va rentrer dans les toilettes avec, et c'est sûr qu'à un moment ou l'autre elle va oublier qu'il y a des versets du Coran, qu'elle porte des versets du Coran, etc. Tout ce que donc peut amener à cette profanation, ayadan billah, al-ihana. Donc également ça c'est une argumentation qui est forte. Et une base ici qu'on va donner, lorsqu'on a dit qu'il y avait irtilaf, une barre de salaf, c'est-à-dire qu'il y avait une divergence entre certains des salafs pour ce qui est de cette question, il faut se rappeler une règle ici qui nous est rappelé par Ibn al-Qayyim fi I'lam al-Muwaqqi'in, et qui nous rappelle Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, que s'il y a donc une divergence entre les salafs
dans une question, فَالصَّوَابُ عَلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الدَّلِيلِ. Ce qui va être le plus juste, c'est ce qui va être le plus proche de la preuve et de l'argumentation. Donc l'argumentation est la preuve la plus forte. Et on voit ici que lorsqu'on regarde les argumentations qui nous ont été données par le Shir, surtout sur ces trois argumentations fondamentales, on va s'apercevoir que non, c'est ce qui semble bien entendu le plus proche de la bonne réponse. Wallahu a'lam. Ça donc, c'est pour ce qui était de cette question. Lorsqu'on raccroche quelque chose, et dessus il est écrit des versets du Coran. Également, il rentre dedans lorsqu'on écrit des sifat, c'est-à-dire des attributs d'Allah ou des noms d'Allah, etc. Ensuite, le Shir, il va passer donc à une autre question qui est la suivante, qui est la question donc numéro 180. Et il va nous dire, Rahimahullah, ma hukm al-kuhan. Donc ici, quel est le statut de celui qu'on va appeler kahin, que l'on traduit par les devins. Donc kahin, le pluriel, kuhan. Donc les devins. Et pour ce qui est des devins, et cet acte qu'ils font, que l'on appelle al-kihana, que l'on appelle donc al-kihana, on va s'apercevoir que ici, après avoir parlé du sihr, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ces gens-là, les devins, et entre les sorciers. Et en réalité, lorsqu'on va parler donc des devins, lorsqu'on va parler également de ceux qui apprennent l'astrologie, les astrologues, etc., en réalité, on va s'apercevoir, beaucoup d'entre eux, ceux qui pratiquent ces choses-là, ils vont pratiquer le reste. Et que, de manière générale, tout cela va rentrer, fi anwa' as-sihr, tout cela va rentrer en réalité dans les différentes formes que peut prendre le sihr, enam. Parce qu'en réalité, ils vont dans un premier temps avoir ce qu'on appelle un ta'fir, mais un ta'fir qui est batil. C'est-à-dire, ils vont ici provoquer un effet, et qui est un effet donc caché, comme on l'a vu par rapport à la définition du sihr. Mais bien sûr, cet effet-là, il est batil, c'est-à-dire qu'il est faux. Il est pris du faux, il reste donc dans le faux. Fil batil. Taïb. Donc de même pour ce qui est des al-kuhan, également pour ce qui est des astrologues, etc. De même également ces gens-là, la relation qu'il y a entre eux, c'est qu'ils vont céder des shayatin. Et pour ce qui est de al-kihana, donc l'acte de ce que l'on appelle les devins, un acte propre au shaytan et qui va totalement en contradiction avec la croyance et qui l'annule même, qui annule donc la croyance du tawhid totalement dans sa base. Et ceux donc qui vont faire cet acte là ils vont tomber dans le shirk, bien entendu, ils vont tomber donc dans le shirk. Si cela est en contradiction avec le tawhid et notre croyance, automatiquement le contraire, c'est le shirk. Et pourquoi ils vont tomber dans le shirk? Pourquoi? Parce que dans un premier temps, al-kihana, c'est iddia ilm al-ghaib, c'est ceux qui vont prétendre donc connaître l'invisible. C'est ceux qui vont prétendre connaître l'invisible. Et dans ce sens, ils vont rentrer donc dans le shirk. Pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui va prétendre connaître le ghaib, ce qu'on appelle donc al-ghaib, ce qu'on appelle donc l'invisible, c'est automatiquement il est tombé dans le shirk. Ou quelle catégorie du shirk ici? Di'a ilm al-ghaib yunaqid tawhid al-rububiyya, pour être bien précis. يناقض التوحيد بصفة عام لكن بصفة خاصة توحيد الربوبية c'est-à-dire donc il va à l'encontre de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté, dans sa seigneurie الربوبية. Donc on voit que sous cet aspect là la personne va à l'encontre du توحيد et tombe dans le shirk. Également dans un autre aspect يتقرب إلى غير الله عز وجل. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher d'un autre qu'Allah Azzawajal, en obéissant et en faisant acte d'adoration pour un autre qu'Allah. Et ici donc, shayatin. Parce que comme on l'a vu, pour ce qui était du sahir, pour ce qui était du sorcier, celui qui veut faire cela, tomber donc dans la sorcellerie. Et qui va donc, pour la plupart d'entre eux, se rapprocher du shaytan, des shayatin, ils vont donc leur obéir. Se rapprocher d'un autre qu'Allah Azzawajal. Et ici, bien entendu, ils vont tomber dans le shirk, et ça va à l'encontre de quoi? Du tawhid al
Uluhiyya. Ici, du tawhid al uluhiyya. Donc, de l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration. Donc, on voit sous ces deux angles, ces deux aspects, ils vont tomber dans le shirk. Ayadan billah. Le shirk va nous dire Al-kuhan min al-tawarit wa hum awliya al-shayatin alladhina yuhuna ilayhim kama qala Allah ta'ala wa inna al-shayatin la yuhuna ila awliyaihim. Donc, il va nous dire le shirk que les devins font partie de ce qu'on appelle donc al-tawarit, ce qu'on appelle les rebelles, que l'on traduit par les rebelles ou autres, tout ce que l'on adore donc en dehors d'Allah Azzawajal de façon générale. Et ils sont donc les alliés des djabs, Aulia Shayatin. Ils sont ces gens-là, les alliés des djabs. Et c'est ceux qui les inspirent. C'est ceux qui les inspirent. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim. Et les djabs inspirent à leurs alliés. Inspire ici. Yuhun. Donc on voit le shaykh nous a dit alladhina yuhuna ilayhim. Et dans le verset donc wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim. Et les djabs inspirent leurs alliés. Il va nous dire également le shirk wa yatanazzaluna alayhim wa yulquna ilayhim al-kalima min as-sam fa yakdhibuna ma'a mi'at kadhbah kama qala ta'ala. Donc il va nous dire le shirk également qu'ils descendent sur eux. Inam. Qu'ils descendent sur eux, sur les devins. Donc les shayatin, ce sont eux qui descendent sur les devins. Ils vont donc leur jeter des paroles ou un mot qu'ils entendent du ciel. Ça, on va y revenir lorsque le shirk va nous rappeler le hadith qui est en rapport avec cela. Puis, ce qu'ils vont réussir à voler donc du ciel et entendre du ciel, ils vont y ajouter sans mensonge. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et il va donc revenir à un verset du Coran qui nous prouve cela, qui nous prouve donc ce qu'ils font, ces shayatin, et ce qu'ils vont donc, à partir de là, proposer à qui? Aux devins qui eux se seront rapprochés d'eux. Ayadan billah. Et le verset c'est le suivant, yaqul Allah Azza wa Jalla, هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Vous apprendrai-je sur qui les djabs descendent? هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Vous apprendrai-je sur qui les djabs descendent? تنزل على كل أفاك أثيم. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont menteurs. Et donc, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va nous rappeler ici, donc le shirk, wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-wahi, qui est bien entendu rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, et qui concerne donc comment ces shayatin, ils entendent des paroles venant donc du ciel. Et qui est le hadith suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها مستلق السمع. Puis l'entend celui qui écoute furtivement, c'est-à-dire donc qui vont écouter akhbar sama, qui vont écouter donc les informations du ciel. ومستلق السمع اكذا بعضه فوق بعض. Et le prophète صلى الله عليه وسلم donc pour nous expliquer comment ils font. Ensuite, l'un transmet donc la parole qui est entendue à l'autre en dessous de lui, et ainsi de suite. Donc ils sont les uns sur les autres, et chacun va transmettre à l'autre la parole de ce qu'ils auront donc entendu du ciel, de ce haq. Ils vont entendre donc une vérité qui vient du ciel. On va voir ce qu'ils font ensuite. فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ. Chacun d'entre eux donc se rapporte la parole. حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ. Et donc jusqu'à que le dernier la lance sur la langue du sorcier ou du devin. Donc on voit également ici qu'il est nommé Sahir et qu'il est nommé également Al-Kahin. Donc on voit bien la relation qu'il y a entre ces deux personnes. Et on voit bien donc ici pourquoi le shir il nous a donc parlé du statut de ces gens-là après nous avoir parlé donc du statut des Sahara, du statut donc des sorciers. Et il nous dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc qu'ils l'ont entendu, فَرُبَّمَا دْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا. Il se peut donc que le bolide, donc la flamme, l'atteigne avant qu'il ne la lance. وَرُبَّمَا الْقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا. Et il se peut qu'il la lance avant qu'il ne l'atteigne. فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَ. Donc, quel cas il rajoute 100 mensonges avec elle. Donc, il va lui dire ce qu'il a entendu comme haq, mais il va y rajouter
à cette vérité sans mensonge. Ayyadan billah. Et donc, ils vont rentrer dans ce verset du Coran, dans cette description qu'a fait Allah Azzawajal d'eux, lorsqu'il a dit ala kulli affakin athim, affakin athim. Il rentre dedans dans ce terme affakin athim, donc calomniateur, pêcheur. Il rentre dedans donc al-munajjim, l'astronome. Il rentre dedans également al-kahin. Il rentre dedans également al-sahir. Ayyadan billah. Donc qu'est-ce qu'on en conclut d'après ce que nous l'a dit le shir? C'est tout simplement que le kahin, c'est donc un kafir. C'est donc un kafir, c'est donc un mécréant. Ça, c'est son statut. Ça, c'est son statut. Pourquoi? Parce que lui est le kahin, automatiquement. Et dans tous les cas, pour qu'il sache donc ces choses de l'invisible, et on sait qu'il va donc y avoir autour de cela des mensonges, pour qu'il sache certaines choses de l'invisible, il va donc revenir au shayatin. Il va revenir donc au djab. Par contre, pour ce qui est du sahir, pour ce qui est du sorcier, comme nous l'avait dit le shir auparavant, pour bien qu'on fasse la distinction, il se peut que le sorcier, lui, dans certains cas, ou certains sorciers, on va dire, ils ne font pas ou ils ne prennent pas donc leur sir, c'est-à-dire donc leur sorcellerie, leur magie, des djab. Et à partir de là, il avait fait une différence, le shir, entre celui qui va être parmi les sorciers kafir et celui qui ne l'est pas. Donc on se rappelle ce qu'il avait dit le shir auparavant. Rahimallah. Par contre ici, pour ce qui est de Al-Kahin, automatiquement, parce qu'Al-Kahin c'est celui qui prend de l'invisible, et cette personne-là ne peut prendre cela, cette science donc, ou ce qu'il prétend prendre de l'invisible, comme on l'a vu donc, et quelle est donc la façon qu'il prenne des shayatin, sans donc qu'il prenne d'eux. Donc automatiquement c'est un kafir. Ici il n'y a pas deux cas. C'est un kafir, c'est donc un mécréant, c'est ça son hukm. Et donc la personne qui fait cela, qui pratique cela, sort de l'islam. Ensuite, à la question prochaine, il nous dit le shir, ma hukmu man saddaqa kahinan, ma hukmu man saddaqa kahinan. Donc il va nous parler ici de ceux qui vont voir les devins et de ceux qui croient à ce que disent les devins. Et on va voir ici ceux qui vont voir les devins et ceux qui croient à ce que disent les devins. On va voir par rapport, pourquoi on dit ça, par rapport donc au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et différentes versions. À la kulli hal ici, c'est ceux qui vont donc consulter ces gens-là, qui vont vers eux et qui prennent donc de ce qu'ils disent et qu'ils y croient. Ayyadan billah. Il va nous dire quel est donc leur statut à ces gens-là. Dans un premier temps, il va répondre en citant des versets du Coran directement. Le premier verset du Coran qui nous cite, c'est bien entendu des versets qui sont en rapport avec Al-Ghaib, l'invisible. Et on sait dans notre croyance que l'invisible, Al-Ghaib Al-Mutlaq, sachant qu'il y a deux sortes d'invisibles, Al-Ghaib Al-Nisbi ou Al-Ghaib Al-Mutlaq. Donc Al-Ghaib Al-Mutlaq, c'est l'invisible de façon générale. Et ça, seul Allah Azzawajal le sait. Pour ce qui est de Al-Ghaib Al-Nisbi, qui est en réalité un invisible mais qui est relatif, pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal lui-même l'a informé soit à ses anges ou soit l'a informé à ses prophètes. Donc il a informé certaines choses de l'invisible. Donc cet invisible là il devient en réalité nisbi, il devient donc relatif. Tayyib, ceci bien entendu lorsqu'on parle de Al-Ghaib et que seul Allah Azzawajal connaît Al-Ghaib, on parle bien de Al-Ghaib Al-Mutlaq. Et c'est ce qui va être ici cité dans les différents versets du Coran que le shir donc nous rappelle. C'est donc bel et bien le Ghaib al-Mutlaq, que seul Allah Azzawajal connaît, que celui qui prétend connaître cela, il va tout simplement donc à l'encontre du Tawhid, et plus précisément, comme on l'a dit, Tawhid al-Rububiyya. Yaqul Allah Azzawajal, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, l'invisible, à part Allah. Sinon, Allah. Ça c'est le premier verset. Donc, wajhul istidlal, que seul Allah Azzawajal connaît Al-Ghaib, l'invisible, Al-Ghaib Al-Mutlaq. Et que celui qui prétend cela, il va donc démentir le Coran. Il va donc démentir ce qu'Allah Azzawajal a dit. Et c'est donc un kafir. Également, il nous dit le shir, en nous rappelant ce verset, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu.
C'est lui qui détient les clés de l'invisible, de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Également un autre verset. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Ou détiennent-ils la science de l'invisible, donc l'invisible, et c'est de là qu'ils écrivent, c'est-à-dire donc entre parenthèses leur mensonge. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il blâme ceux qui prétendent cela. Également dans l'autre verset, A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, détient-il la science de l'invisible de sorte qu'il voit. Donc tout ça, bien entendu, c'est pour blâmer les gens qui prétendent connaître l'invisible. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Et c'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Personne d'autre en dehors de lui ne connaît cela. Subhanahu wa ta'ala. Donc celui, ma wa wajh al-istidlal ici, quel est donc l'aspect argumentatif de tout ce qui nous a cité comme verset du Coran, c'est que celui qui va voir un kahin et qui va croire en ce qu'il dit, automatiquement donc, il va lui aller à l'encontre de quoi? Des versets du Coran. Et il va donc démentir le Coran pour aller croire ce que dit ce devin. Alladhi yad'i. Et est-ce que cette personne est kafir ou pas? Ici, comme on le verra d'après le hadith, un des hadiths, il y a ikhtilaf des savants. Ala kulli hal, on reviendra sur cette question. Ensuite, le shir va nous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed wal Bayhaqi wal Hakim, et qui est un hadith authentique. Il est authentifié par Shir al-Albani, également par Shir Ahmed Shakir et d'autres savants encore du hadith. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique: quiconque se rend chez un voyant ou un devin, puis qu'il croit à ce qu'il dit, a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. On va s'apercevoir de deux choses. C'est que dans ce hadith, dans un premier temps, من أتى عرافا. ما هو العراف? Sans entrer dans les divergences qu'il y a eu dans la compréhension de ce terme, ou ce qu'il voulait dire, arrafan, beaucoup de savants, et parmi eux, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il va nous rappeler que al-arraf, c'est en réalité comme al-kahin. C'est comme al-kahin, qui ne font pas donc la différence entre eux. Pourquoi? Ou alors ceux qui vont faire la différence entre Al-Arraf, ils vont dire donc que lui il va prendre Al-Ghaib, ce Ghaib là d'autres manières. Al-Kulli-Hal, ce qui est commun entre eux, c'est que tous, que ce soit Al-Arraf ou que ce soit Al-Kahin, tous en réalité Yadda'un Ilm Al-Ghaib, c'est que tous ils prétendent donc connaître l'invisible et ils vont donc informer les gens de l'invisible, que ce soit donc des choses du futur qui vont arriver, ou alors informer d'une chose qui est donc perdue et que personne ne peut savoir où c'est sinon Allah Azzawajal, ou une chose qui est égarée que personne ne peut savoir sinon Allah Azzawajal. Ils vont donc céder des shayatines par rapport à cela pour retrouver ces choses là ou pour informer les gens du futur. Donc ici il y a deux choses ici. Man ata, donc celui qui va venir auprès de celui qui est considéré donc comme devin, yani arrafan ou kahinan, fasaddaqahu. Et ensuite, il va donc croire en ce qu'il dit. Fasad daqaw. Donc la première chose, il vient, il le consulte, et ensuite il croit ce qu'il va le dire, ce qu'il va dire. Qu'est-ce qui va se passer? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole, elle est claire ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A mécru en ce qui était révélé à Muhammad. Donc une mécroyance en quoi? En ce qui était révélé à Muhammad. Et à partir de cela, il va y avoir donc une divergence par rapport aux savants. Est-ce que cette personne va sortir de l'islam, celle qui est venue voir Al-Kahin et qui a cru ce qu'elle a dit, ou est-ce qu'elle ne sort pas de l'islam? Donc certains savants ont dit que c'est du Kufr Akbar, et c'est une riwaya, c'est une des versions de l'imam Ahmed. Ils voient que c'est du Kufr Akbar, c'est-à-dire que la personne va sortir de l'islam. La personne va sortir de l'islam. C'est également une des paroles qui va être choisie, ou un avis qui va être choisi par certains des savants, Mu'assiri, comme Cheikh Fawzan et d'autres, qui voient donc que c'est bel et bien le Kufr Akbar ici. D'autres savants, et c'est également une des versions de l'imam Ahmed, que c'est du Kufr Asrar, c'est-à-dire que c'est de l'incroyance mineure, donc celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et également une troisième ou un troisième avis des savants, c'est ceux qui vont dire que Natawakkaf, c'est-à-dire donc qu'on ne donne pas d'avis par rapport à cela et qu'on laisse donc
le texte comme il est. On va laisser donc le texte comme il est. C'est-à-dire qu'on va comprendre le texte comme il est, sans dire est-ce que c'est du kufr akbar ou du kufr asghar. Tawakkuf, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement s'arrêter au nas ici. Sans, yani, faire un tarjih ben al-qawlan. C'est-à-dire sans faire, donc, prendre l'avis entre les deux paroles. Ça donc pour ce qui est du premier hadith. Ensuite, le deuxième hadith qui est lui rapporté par l'imam Muslim et l'imam Ahmed. يقول النبي صلى الله عليه وسلم qui est donc un hadith bien entendu authentique, un hadith authentique. يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. Ici ce hadith, quiconque se rend vers un voyant et lui demande quelque chose puis le croit, aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours. Donc ici, on a également un autre hukm qui va être donné par rapport à celui qui va venir auprès de celui qu'on appelle Al-Arrab, donc, et qui va lui demander An-Shayin, qui va lui demander donc à propos d'une chose. Pourquoi ? Parce qu'ici, Adha'am, An-Shayin, Adha'am, c'est donc global, une parole qui est ici globale. Fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Et qui donc qui va le croire, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Et il faut savoir que dans la version de l'imam Muslim, rahimullah, dans la version de l'imam Muslim, il n'y a pas le terme fasaddaqahu. C'est-à-dire que le hadith, il n'est pas cité fasaddaqahu. C'est-à-dire donc man ata'arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salah, yani mujarrad al-ityan, c'est-à-dire uniquement le fait qu'il va consulter ou qu'il va voir un devin ou un voyant, même sans même qu'il croit en ce qu'il dit, alors à ce moment-là, et de par cette version qui est rapportée par l'imam Muslim, on va comprendre, et comme nous l'ont expliqué les savants, on va comprendre donc que la personne, sa prière n'est pas acceptée durant donc 40 jours. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée ? C'est-à-dire qu'il lui est bien entendu obligatoire qu'il prie, mais cette prière-là, la thawab. C'est-à-dire cette prière-là, elle n'aura aucune récompense, elle ne sera pas rétribuée auprès d'Allah Azzawajal. Donc il priera sans récompense. Ça c'est donc ce qu'on va comprendre du hadith. Donc celui qui vient, uniquement qui vient, il rentre également dedans. Et celui donc qui vient et qui croit, bien entendu a plus forte raison. A'yadam billah. Ensuite le shir, rahimahullah, il va passer à la question 183. Warfwan, celle d'avant, 182. Il va nous demander Ma hukm at-tanjim. Donc on va comprendre à partir de là qu'il va nous parler également d'une autre chose ici, et que l'on appelle donc l'astrologie, lorsqu'on dit at-tanjim, qui vient donc du terme najm. Et le najm, tout le monde sait que c'est l'étoile. An-Nujum sont les étoiles. Donc c'est ce terme qui vient, qui est pris donc de ce mot-là, At-Tanjim, et qui est en réalité que l'on traduit par l'astrologie. Ils vont donc nous dire Ma Hukm At-Tanjim. Ils vont donc nous demander le statut de l'astrologie. Quel est donc ce statut au niveau de l'islam ? Bien entendu, c'est l'interdiction. Et c'est ce qu'on va voir à travers donc les versets et les hadiths qu'il va nous citer. Rahimallah. Les savants vont dire que pour ce qui est du tanjim, c'est également, et ça entre également dans les catégories du sihr. Dans les catégories du sihr, c'est-à-dire donc de quoi ? De la sorcellerie et de la magie. Et donc, à partir de là, on va comprendre que la personne également va revenir sur la question de el-ghayb, sur la question de l'invisible. Pourquoi ? Parce qu'elle va revenir donc à des connaissances qu'elle prétend, pour donc ensuite interpréter des choses qui sont propres à l'invisible, comme les choses du futur qui vont arriver, etc. En se basant donc sur An-Nujum, en se basant également sur Al-Kawakib, sur les planètes, etc. Donc on voit bien ici la relation qu'il y a entre Al-Sahir, la relation qu'il y a entre Al-Karin ou Al-Arraf, etc. Donc on voit la relation qu'il y a entre ces gens-là, même si chacun va avoir donc une spécificité. Mais que tout cela va rentrer également au fissiah. Pourquoi ? Parce qu'ils vont prétendre également ici avoir un effet. Et donc produire donc un effet. Et même si cet effet-là, bien entendu, est bâtil,
cet effet-là est comment ? Est faux et reste dans le faux. Il va nous dire donc le shir, en répondant à cette question, il va dans un premier temps nous citer des versets du Coran. Et ces versets du Coran, ils vont nous expliquer Al-Nujum, elles ont été créées pour trois choses. Donc la première chose, c'est ce qu'on va voir dans ce verset du Coran, c'est qu'elles ont été créées pour que les gens donc les prennent comme signe pour se diriger, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le désert, durant la nuit, etc. Donc tout simplement pour se diriger. C'est pour ça qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que, par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Enam. Donc la personne, lorsqu'elle voyage de nuit, qu'elle soit sur la terre, qu'elle soit en bateau sur la mer, comment elle se dirige ? Elle se dirige donc en regardant les étoiles et en connaissant donc à partir de l'emplacement des étoiles où elle se dirige, que ce soit vers le nord, que ce soit vers le sud, dans quelle direction, etc. Donc ça a été la première, une des causes pour lesquelles Allah Azzawajal a créé ces Nujum. Également, ce que le shir, lui, il ne cite pas ici, c'est-à-dire en rappelant des versets du Coran, c'est Al-Nujum, elles ont été créées pour chasser donc Al-Shayatin, pour chasser Al-Shayatin, Enam. Et c'est pris donc du verset suivant. Pour Allah Azzawajal, « وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا » Surat Al-Jin et le verset numéro 9. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Donc ça, c'était également donc un shihab, c'est donc ce bolide, cette étoile qui va donc venir chasser le djab lorsqu'il vient écouter donc aux portes du ciel, comme on l'a vu donc précédemment, comme ils le font et comme on l'a vu précédemment. Donc il trouve à ce moment-là quoi ? Ce qui vient les chasser. Et c'est donc l'un des buts de la création de Sian Nujum. Et que l'on retrouve ici dans ce verset du Coran. Donc, Rujuman li shayatin, afin donc de chasser qui ? Les diables. Également, et ça c'est la troisième et la dernière, Zinatun li sama, c'est tout simplement pour embellir donc le ciel. Et quiconque, la nuit, regarde donc ce ciel embelli d'étoiles, il va s'apercevoir que c'est réellement magnifique. Et c'était un des buts qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala bi hikmati al-baligha, de sa grande sagesse, il a créé donc ces al-nujum. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans un des versets du Coran, inna zayyanna as-sama' ad-dunya bi zinati al-kawakib. Et dans un autre verset également, wa laqad zayyanna as-sama' ad-dunya bi masabih. Et donc bien entendu ce sont les nujum et les planètes, etc. Donc nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles. Inna zayyanna as-sama' ad-dunya bi zinati al-kawakib. Ça donc c'est les trois choses. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la parole qui nous est dit donc de Al-Qatada, rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujum lithalath, zinatu lis-sama', zinatan lis-sama', wa rujuman lish-shayatin, wa 'alamatin yahtadi biha. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. Donc cette parole de Qatada, et qui nous dit donc qu'Allah a créé les étoiles pour trois raisons, comme embellissement pour le ciel, lapidation des démons et point de repère. Alors celui qui interprète d'autres choses à leur sujet fait erreur, perd sa part et se charge de ce dont il n'a aucune science. Donc ici est Shahid. Qu'est-ce que l'on trouve ici dans cette parole et dans les versets auparavant, c'est qu'Allah Azza wa Jalla uniquement a créé ces Nujum pour ces trois choses, uniquement. Donc celui qui va les prendre pour moyen de connaître ce qui va arriver plus tard, cette personne-là les a pris pour une chose dont Allah Azza wa Jalla n'a jamais légiféré. Ou alors qu'il va les prendre comme sabab, il va donc les prendre pour un sabab qu'Allah Azza wa Jalla n'a jamais légiféré. Et il va rentrer dans la kulli hal, que ce soit le shirk al-akbar ou l'asrar, comme on va ensuite détailler. Et c'est pour ça que le shirk, lorsqu'il nous a dit également dans ce verset du Coran, وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ. Donc les étoiles sont assujetties sous son ordre,
Donc elles sont soumises à Allah Azzawajal, elles sont assujetties à Allah Azzawajal. Elles n'ont aucun pouvoir, elles ne sont d'aucun sabab. Pourquoi? Car Allah Azzawajal ne les a créées que pour ces trois choses, uniquement. Et on va s'apercevoir ici, donc pour ce qui est de At-Tanjim, il y a thalathatu aqsam. Il y a donc trois catégories. La première catégorie, c'est donc de croire qu'elles sont à l'origine même de ce qui advient dans l'univers. Et que ce sont elles donc qui créent ce qu'on appelle le hawadith, tout ce qui va arriver dans l'univers. Et ça, bien entendu, hadat juhud il khaliq, c'est donc nier le créateur subhanahu wa ta'ala. Cela c'est i'tiqad as-sabi'a, c'est tout simplement la croyance des sabi'ins qui croyaient donc en cela, qui croyaient donc que les planètes, que les étoiles, etc., c'est elles qui créaient ce qui se passait donc sur l'univers. Donc ce qui advenait ou ce qui était dans l'au-delà avait pour but donc de créer ce qui était dans l'ici-bas, ayadan billah. Et c'est bien entendu ici du shirk al-akbar, du kufrun akbar, sarihun, biljma', sans aucun doute. Ça c'est la première catégorie. Ensuite la deuxième catégorie, c'est ceux donc qui vont croire qu'elle n'est qu'une cause, sababun li-ta'thir, qu'elle est donc d'une cause à effet. C'est-à-dire qu'ils vont croire, ces gens-là, qu'Allah Azzawajal c'est bel et bien lui qui crée ce qui advient dans al-kawn. Mais eux, ils vont croire que c'est un nujum, elles sont une cause de ce qui va arriver. Et ici, bien entendu, c'est du shirk également. Mais du shirkun asrar, c'est donc du polythéisme, ici qui va être mineur. Parce que tout simplement, ils ont cru que cela était une cause, alors que en réalité, ce n'est pas une cause. Donc ceux qui croient que la pluie va descendre à cause donc de la venue de cette planète ou de cette étoile, etc., ou alors que tel vent va advenir à cause de la venue de cette planète ou alors de cette Najm, etc., donc ils croient que c'est une cause, mais qui a la croyance que c'est Allah Azzawajal qui a bien créé ces choses qui vont arriver, le vent, la pluie, etc., celui-là bien entendu il est rentré fit tahrim, c'est bien entendu interdit, il est rentré dans le shirk al-asrar, c'est-à-dire dans le polythéisme ici qui est dit bien entendu mineur. Et ensuite, la troisième catégorie, al-istidlal biha 'ala al-hawadith al-mustaqbala, n'am. C'est tout simplement ceux qui vont l'utiliser comme preuve pour dire ce qui va arriver plus tard. Pour dire ce qui va arriver plus tard. Et tout simplement sont donc ceux qui prétendent l'invisible, comme al-kihana. C'est-à-dire cela va revenir également dans l'acte des devins. Donc tous ceux qui vont revenir sur cela, qui vont dire du fait de la venue de cette Najm, de cette étoile-là, il va arriver cela et cela. Donc ils vont prédire l'avenir à partir donc de la venue de certaines étoiles, ou de l'apparition de certaines étoiles, etc. Ce qu'on appelle bien entendu l'astrologie. C'est ce qu'on connaît plus nous comme étant donc l'astrologie. Et bien entendu, ici également c'est du kufrun, c'est du kufr akbar. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans c'est ce que font donc beaucoup d'astrologues, ayadan billah. Et donc la différence qu'il faut bien faire entre cette troisième catégorie et la deuxième catégorie, c'est que dans la deuxième catégorie, les gens disent qu'il est donc apparu la pluie à cause donc de cette Najm. Donc ils ont fait une relation entre, à titre d'exemple, l'apparition de la pluie et cette étoile. Ils n'ont pas donc prédit ici, ils n'ont pas prédit donc ce qui allait arriver. Donc on voit qu'il y a bel et bien trois catégories dans ce qui rentre dans l'astrologie, et que tout cela bien entendu est même nour, haram, que c'est strictement interdit. Ce qui est uniquement permis et qui va donc revenir à al-qamar, c'est-à-dire connaître al-hisab, connaître donc par rapport au mois, connaître également à quel moment il est préférable, à titre d'exemple, de planter certaines graines et de revenir par rapport à cela, anazil al-qamar, donc de faire un hisab par rapport à cela, chez beaucoup de gens de science, c'est permis. Donc de faire des calculs par rapport à ce qu'on appelle manazil al-qamar. Donc les différentes positions, suivant les différentes positions de quoi? De la lune. Tayyib. Donc ça, ça ne rentre pas dans ce qui est haram et interdit. Également le shir nous a cité des hadiths. Parmi les hadiths qui nous a cité, celui-là. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Bayhaqi. C'est un hadith qui est authentifié par Shir al-Albani et également Ahmed Shakir rahmatullah ala al-jami'. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam: "Man
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد من اقتبس يعني من تعلم. Donc celui qui acquiert une connaissance des étoiles. Ici donc l'astrologie. من اقتبس شعبة من النجوم. الشعبة bien entendu c'est une branche. Comme on dit شعبة الإيمان. Donc une branche ou des branches de la foi. من اقتبس شعبة من النجوم. Donc ici علم النجوم بمعنى donc التنجيم بمعنى l'astrologie. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. Donc celui qui acquiert une connaissance des étoiles, l'astrologie, acquiert en effet une branche de sorcellerie. Donc on voit la relation ici qu'il y a entre l'astrologie et la sorcellerie. C'est-à-dire que le sihr va être général et il va rentrer donc dedans également at-tanjim. Il va rentrer donc dedans at-tanjim du fait que les personnes vont croire ici en quoi ? Ils vont croire donc en l'effet qu'ont ces nujum. Comme ceux qui ont cru en l'effet qu'a le sihr et qui l'ont donc utilisé dans ce sens. Et que tout cela bien entendu revient et relate donc du faux. Al-batil. Et également donc du fait que va rentrer dans la sorcellerie ceux qui yadda'un al-ghayb comme al-kuhan, comme al-arraf et comme on l'a vu ashab al-tanjim, donc qui prennent cela pour pouvoir donc prédire l'avenir. Et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam zada ma zada, c'est-à-dire donc que mieux il va augmenter pour ce qui est de la sorcellerie et mieux il va augmenter donc pour ce qui est donc de l'astrologie et vice versa. Donc bien entendu c'est ici en corrélation entre ces deux choses, at-tanjim wa as-sihr, ayadan billah. Également un autre hadith qui va nous citer le shir, qui est un hadith lui ba'if, qui n'est pas authentique mais dont le contenu est pris en compte, le contenu donc qui est valable. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة يعني الجور جور الأئمة الظلم الأئمة. Je crains en effet pour ma communauté la croyance à l'astrologie. Je crains en effet pour ma communauté la croyance à l'astrologie. Donc ceux qui vont tomber dans l'astrologie parmi les musulmans. Le démenti du destin et l'injustice des dirigeants. Et l'injustice des dirigeants. Il va nous rappeler une parole d'Ibn Abbas et qui est bien entendu authentique. Wa qala Ibn Abbas, parole qui est rapportée par Al-Bayhaqi et d'autres encore. Yaqul Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. يقول ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم يقول ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وما أرى من فعل نعم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. C'est-à-dire, il nous dit ابن عباس à propos des gens qui transcrivaient ce qu'on appelle donc Abajat, et qui sont tout simplement de ce que l'on écrivait ou des lettres que l'on écrivait pour faire les différences entre les différentes jumal, c'est-à-dire entre les phrases. Mais eux, bien entendu, dans le sens où ils prenaient ces lettres-là, ils regardaient ensuite An-Nujum, et donc ils faisaient une relation entre elles pour tout simplement donc ensuite prétendre l'avenir. Et il nous dit donc, je ne pense pas que celui qui fait cela possède une part auprès d'Allah. Là où عند الله من خلاق, c'est-à-dire من نصيب. Et donc on va comprendre à partir de là qu'il ne rentre pas dans le paradis, qu'il n'a pas une part du paradis. Et à partir de là on comprend de la parole de Ibn Abbas que c'est un kafir, que celui qui fait cela c'est un kafir. Celui donc qui va à partir donc النجوم, lire l'avenir, cette personne-là n'est pas considérée comme un musulman. بل هو كافر بل هو كافر فهذا حكم التنجيم والمنجيم. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et ensuite pour la prochaine question, al-istisqa bil-anwa. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa